Yo 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 l'équipe, j'espère que vous allez bien. Ça dit quoi le chat? Est-ce que vous allez bien? Hop là. Ça dit quoi le chat? Vous allez bien ou quoi? Attendez, on va mettre une ambiance plus tranquille. Voilà. Voilà, attendez, remontez un peu. Voilà, on va faire une petite story live. Wesh le chat, ça dit quoi? Les gars, on est en live, on va ouvrir des colis d'abonnés. C'est parti, c'est directement sur mon YouTube. On est déjà en live, le chat est juste là. Et 20h Among Us. 20h Among Us, ça fait plaisir. Hop là, magnifique. Voilà, on est bien là. Ça dit quoi les gars? Ça dit quoi le chat? Est-ce que vous allez bien? Alors attendez, ça, je suis un peu perturbé. J'ai changé mon chat d'endroit. D'habitude mon chat il est là. Cette fois-ci il est là. Voilà, je suis un petit peu perturbé. En fait je sais pas pourquoi mon écran du milieu il marche plus. Du coup mon écran de jeu c'est celui-là. Enfin je suis passé à deux écrans au lieu de trois. Cet écran il est cassé, je sais pas pourquoi gros. Yo, yo le chat. Elsa elle est où? Elle est pas là frérot. Les gars, sachez que je vis pas H24 avec Elsa. Hein. Je t'aime BG, Elsa en sueur. Oui, j'avoue si tu me dis ça, j'avoue si tu me dis ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Yo le chat. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. On a pas mal de... J'ai éclaté le colis. On a pas mal de colis d'abonnés à ouvrir. Il y a beaucoup de trucs, je crois même il y a des trucs, honnêtement, ça par exemple, on va commencer, tu sais quoi, on va commencer par ça. Il y a un big truc dans le décor, on va commencer par ça. Ça, par contre, je crois que c'est pas vraiment un colis d'abonnés. Je crois que c'est une marque qui a dû m'envoyer ça, un truc comme ça. Parce que c'est écrit au nom de Thomas et Thomas c'est un mec qui travaille à Webedia que les abonnés vous connaissez pas. Donc c'est bizarre. Mais c'est pour moi, donc on va ouvrir ça tout de suite. Et tout derrière après c'est que des colis d'abonnés. Je sais pas si on aura le temps de tout ouvrir. Mais voilà, on va essayer de tout ouvrir. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que les abonnés m'ont envoyé. Ça fait plaisir. Eh, les gars j'ai prévu cette fois-ci. Ça c'est beau. J'ai prévu cette fois-ci. J'ai un couteau. Ça veut dire que je vais pas galérer à ouvrir les colis. Regardez, hop là. Et c'est ouvert. Regarde. Voilà, mec, alors ça c'est magnifique. Le couteau, putain, c'est la meilleure invention. C'est la meilleure idée que j'ai eue. Oh merde. En fait, il y a un carton, sauf que du coup, là, le carton, je sais pas si on le voit, mais je l'ai un peu coupé ici. Non, ça se voit pas. De toute façon, c'est un carton. C'est pas. Bah attends, mais. Comment je joue ça? Attends, mais là, ça a l'air d'être un vrai bail, hein. Et ce colis là, ça a l'air d'être un vrai bail les gars. Ah ouais, cool le couteau, on est d'accord couteau meilleure idée. Mais attendez, ça a l'air d'être un vrai bail hein. En général le genre de colis qui se présente comme ça, attendez là faut que j'enlève ça. Mais attends, il y a beaucoup trop de protection pour que ce soit un truc lambda. Mais wesh. Attends. Je suis en galère. Mais comment j'enlève ça? Attends. J'ai une strat. Je coince le colis avec mes jambes. Oh j'ai la meilleure strat. Mais wesh. Alors j'ai pensé au couteau pour ouvrir les cartons mais... Mais attends mais gros... Mais frérot! Oh! Oh! Quoi? Oh! Wesh! Ah oui, non mais ça c'est impossible, ça c'est pas un colis d'abonnés ça. Wesh. Mais
Aïe. Merde! Attends, il est un peu trop grand. I am Batman. Eh ouais les gars! Eh ouais les gars! Il est trop grand! Mais en fait j'ai une trop petite tête! Frérot, c'est un casque pour GM... c'est un casque pour GMK ça! Il va mieux aller à GMK quand même. Attendez. Aïe. Ouais non, j'ai une trop petite tête. Mais en fait j'ai une tête format enfant. Eh j'ai une tête format. Mais attends, mais il est incroyable. Mais gros, il est incroyable le masque, on va pas se mentir. Batmiche. Mais le seul problème c'est que j'ai une trop petite tête. Putain, c'est dommage. Mais par contre, je pense que ouais, je pense qu'il est fait pour GMK. GMK s'il teste ça, ça va bien lui aller. Mais attends, mais il y a ça avec. Attendez. Il y a le porte-casque. Oh. Mais attends, mais c'est... Mais par contre, c'est une bête de déco. Bon, du coup, je peux pas trop le mettre en tant que casque, mais c'est une bête de déco. Frère, j'ai le casque... J'ai le masque de Batman. J'ai le masque de Batman. Mais attends, mais c'est incroyable. Mais j'ai vu, là, j'ai vu, il y a un film qui est sorti, c'est Super Héros Malgré Lui. Où le mec, je crois, il se réveille d'un coma et il croit que qu'il est Batman. Ça doit être pour ça qu'il m'a envoyé ça, non? Mec, il est dar sa mère, hein. Eh, il est dar sa mère, le casque. Incroyable. Ça part, j'allais dire, ça part direct dans le décor, mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de place. Bah, ça part sur le canapé dans le décor. Oh. Oh, il est dar, hein. Eh, il est dar. En vrai, il est énervé, t'es mal, là, il est un peu dans l'obscurité, dans l'ombre. Incroyable. Non, il y a un nouveau Batman, il y a The Batman aussi. Ah mais oui, je suis trop con, frère. Ah mais oui, je suis trop con. Mais oui, il y a The Batman, j'avoue, il y a Batman qui est sorti. Mais le film aussi, Super Héros Malgré Lui, il a l'air d'art, là, où le mec, il se prend pour Batman. Ah, mais attends. Je suis trop bête. Ah mais ouais, attends, c'est trop bien ça. Mais eh, les protections. Eh, les colis maintenant, ils sont trop bien emballés en fait. Je vais pas m'en plaindre, mais quand même. Hop là. Mais t'es mal, même à l'intérieur, il y a des protections. Hop, ça, j'enlève tout le papier qui est autour. Oh, oh ouais, ça va rendre trop d'art. Mais hey, c'est incroyable, hein. Franchement, je sais pas qui m'a envoyé ça, mais merci. Gros, c'est une masterclass. Mais oui, je pense que ça doit être pour le film The Batman. Vous l'avez regardé ou pas? Qui l'a vu, le nouveau Batman? Moi, j'ai pas vu. Je sais pas s'il est bien. Oui, moi. Ah oui, il y a du monde qui l'a regardé. Moi, insane. T'as vu le dernier Spider-Man? Ouais, ça j'ai vu, mais pas Batman. Hop. Moi, non, j'ai pas regardé. Ouais, j'ai pas vu non plus. Oh, et du coup, là... Ah bah oui! Ah bah oui! Ah bah oui, d'accord! Mec, c'est énervé, hein! Purée! Vrai colis, les gars! Hop! Franchement, le premier colis était un banger. Le premier colis était un banger, on va pas se mentir. Dommage que le masque ne soit pas à ma tête. J'avoue, je suis un petit peu dégoûté, quoi. Moi, je voulais me prendre pour Batman. Moi, t'as vu, je voulais sortir de ma rue, faire un peu comme si j'étais Batman, voir les gens, aller les sauver et tout, tu vois, taper les méchants, les bandits et tout, les mettre en prison. Mais du coup, le masque me va pas, donc je peux pas faire tout ça. C'est dommage, hein, le masque, il m'aurait allé, ça aurait été parfait, hein, j'avais tout. Après, j'avais les compétences pour. Hop!
prenons ce colis là. Petit colis, Colissimo. Il m'a l'air. Il m'a l'air un petit peu garni. Pas trop non plus, mais un petit peu garni. Ça se voit, c'est un vrai colis d'a. Oh, attends, j'ai vu des trucs. Ma foi, plutôt. Plutôt pas mal, hein. Rémi, merci pour tes 10 francs suisses. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Poppy. Vous connaissez ça? J'ai eu Poppy. Poppy? C'est pas la meuf à Inox dans GTA, elle? Y a Poppy qui paye la caution. Ouais, si, c'est ça. Y a Poppy qui paye la caution. Poppy. Mec, je connais pas. C'est les trolls. C'est les trolls. Ah, j'ai pas vu les trolls. Mais attends, mais du coup, tu vas me dire que j'ai plein de figurines. Mais en tout cas, c'est incroyable. Mais qui m'a envoyé ça? Qui? Mais attends, mais gros, c'est thème cinéma aujourd'hui, en fait. J'ai eu des trucs boîte à bonbons. Mais attends, mais c'est thème ciné. Attends, il m'a envoyé une boîte de masques. Bah, en vrai, s'il m'a envoyé une... Alors, le truc, c'est que le port du masque, il est plus obligatoire. Mais j'ai plus de masque. Donc, si... Il m'a vraiment envoyé des masques. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends, mais il m'a envoyé 50 masques. Mais gros, il m'a envoyé 50... Mais qui m'a envoyé ça? Mais merci, frérot. Mais en vrai, j'en avais plus. Les gars, j'en avais plus. Je suis trop content. Mais en vrai, c'est tout con. Mais c'est trop... Mais attends, mais il y a encore plein de trucs. Mais wesh, je retire tout ce que j'ai dit. Il est méga bien garni. Qu'est-ce que c'est quoi, ça? Oh! Mais non, c'est la figurine pop de Fortnite. Est-ce que vous reconnaissez ce skin? Mais non! Ça, masterclass. Je sais pas c'est qui m'a envoyé ça. Bon, même si je vous avoue, je joue plus trop à Fortnite. Ça, c'est masterclass. Fortnite, on kiffe. On kiffe. Mais attends, celui qui m'a envoyé ça, c'est un crack, hein. Oh, mais... What? Ça existe? Les pocket pop. C'est une mini pop, gros. C'est une figurine pop porte-clés. Ah, c'est le skin Raven, mais de glace. Attends, mais incroyable. Et je crois que c'est tout. Du coup, on a la petite boîte à bonbons. Je sais pas c'est quoi exactement. Attends, je vais l'ouvrir. Je comprends pas. C'est une boîte de popcorn, en fait. Pourquoi ils disent boîte à bonbons? Pour mettre... Enfin, tu peux mettre des bonbons, mais tu mets des popcorns normalement dans ça. Attends, hop. Comment ça s'ouvre? Bah oui, voilà. Bah oui, c'est une boîte de popcorn. Après, j'avoue, tu peux mettre des bonbons. Ça, c'est trop bien, ça. Mais attends, mais c'est un... Ça sent rien. Ok, incroyable, incroyable. Il aurait juste fallu me donner les bonbons qui va avec et c'est parti. Et c'est parfait. Ce soir, je rentre, je suis avec Elsa, on se regarde un petit film. Franchement, on est bien. Ok, bon, la lettre, je les lis toujours hors vidéo, hors live, parce que on sait jamais, des fois il y a des trucs privés, mais du coup je la pose à côté et je la lirai en dehors du live. En tout cas, merci à la personne qui m'a envoyé ça, tu te reconnaîtras. Franchement, ça fait plaisir, tu m'as régalé pour de vrai. Hein. J'ai été... Les gars, on va pas se mentir. J'ai été gâté. Non mais là, j'ai été gâté. Gros. Frérot. Même à Noël, j'ai moins que ça. Merci Vano pour tes 1€. Laetitia, merci pour tes 3€. Morse TV, merci pour ton franc suisse Mila. Merci pour tes 5€. Merci Rémi pour tes 10€. Merci infiniment. C'est moi. C'est moi le colis. De rien. C'est moi qui l'a envoyé. Ok les gars. Donc tout le chat m'a envoyé le colis, putain. Donc c'est un colis qui nous vient de tous les abonnés. Bah merci les gars. Ils se sont tous passés le mot. Tous les abonnés se sont passés le mot et m'ont envoyé un colis. Ok. Prochain colis, colis qui m'intrigue. Déjà, il y a écrit ouvrir ici et il y a des autocollants Salamèche, Reptincelle, Dracofeu. Ça, vous commencez à me connaître. Vous savez que j'aime bien. Alors, on va pas faire la gaffe. On va bien. Bon. J'espère que c'est pas fragile ce qu'il y a à l'intérieur. Frérot, je sais pas s'il y a une figurine Dracofeu à l'intérieur, je vais couper les ailes. Hein. Aïe. Hop là. Attends.
parfait. Attention, Rémi 50 euros, merci infiniment. Grosse dédicace à Damien Legendre. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Oh. Oh mais attends, mais il y a des vrais... Ok. Mais wesh. Alors déjà j'adore parce que là, c'est des vrais cadeaux emballés et tout. Alors ça, j'adore. Ah mais attends, il y a un ordre. Il y a écrit 1, 2, 3. Ah mais frère, ça c'est le cadeau numéro 8. Il y a écrit 8. Mais attends, mais what? Ok. Il y a une lettre, je la lirai après. Mais attends, mais what? Ok. Les gars, commençons. On a beaucoup, beaucoup de cadeaux. Donc là, c'est le cadeau numéro 1. On va faire dans l'ordre. On va faire dans l'ordre qui m'a dit. Hop. Oh, ça, c'est un dessin, ça. Ça, je reconnais. Là, il y a Dracofeu. Là, il y a écrit Michou. Et c'est un dessin d'un abonné. Enfin, une peinture, du coup. C'est de la toile. Oh, j'aime trop. Eh les gars, déballer du papier cadeau, c'est incroyable. Je crois que c'est le meilleur truc. Je l'avais dit ou pas? J'ai reconnu ou pas? Petit tableau Dracofeu avec... Mais attends, mais frérot, des tableaux comme ça, avec les ouvertures de colis d'abonnés, je peux me faire une pièce. En fait, si je veux toute cette pièce-là, je mets que des colis, enfin des tableaux d'abonnés, je te jure. Je peux faire une pièce entière. Incroyable, incroyable. En vrai, les gars, on a l'impression comme ça, mais sachez que ce qu'il a fait, c'est très dur. Donc franchement, merci, c'est fait avec le cœur et ça, ça me touche. Merci beaucoup. Attendez, parce qu'il y a encore plein de cadeaux. Il y a encore plein de cadeaux. Oh lolo, frérot. Change ton studio. C'est moi. Arrêtez de mentir. Nouveau cadeau. Oh. Manger. What? Pourquoi il y a écrit manger? Ah, il va y avoir un cadeau pour chaque crouton. Alors par contre, il y a une petite faute d'orthographe à burger. Burger, je suis pas sûr que ça s'écrit comme ça, mais on a reconnu. Le petit burger Valouze manger. Bon, moi c'est Dracofeu, Valouze c'est burger manger. J'ai envie de voir les autres. Attends, j'ai envie. Alors là, je suis curieux. Vous pensez ça? Je pense que c'est Inox. C'est le cadeau numéro 3. Je pense que ça c'est Inox. Aïe. C'est un swap. Comment ça c'est un swap? Qu'est-ce que vous me dites? C'est quoi un swap? Oh, je l'ai dit ou pas? Studio. Attends mais là. Là par contre il s'est pas trop pris la tête quoi. Inox il a vraiment fait un rectangle vert. Il a écrit Inox. Il a dit studio. En mode c'est le studio d'Inox. Encore le Dracofeu et le burger. Il y avait de l'effort là. Là frérot. Frérot, en tout cas merci hein. Je le donnerai à Inox. Franchement je le donnerai à Inox. Inox il a intérêt à kiffer hein. Il a intérêt à kiffer, je lui donnerai. Il n'y a pas de problème. Et là on a pas mal d'autres cadeaux. Alors les autres déjà ils ont le seum parce que eux ils ont des plus petits cadeaux. On a le cadeau numéro 4. Attention. Celui là je pense c'est pour c'est de l'art wesh. Ouais non mais j'avoue, non mais c'est de l'art hein. C'est de l'art hein. C'est honnêtement, ne jugez pas les gars. Attendez, je ne sais pas, c'est peut-être un futur Picasso là qui m'a envoyé ça. Cadeau numéro 4, moi je dis c'est pour Pidi. Est-ce que je suis un génie ou pas? Oh, ça a l'air d'être un bandana. Je te jure, ça a l'air d'être un bandana. Mais attends, mais c'est trop dur. Hein. Mais ouais, j'ai jamais vu un papier cadeau aussi solide. Oh, je l'ai dit ou pas? Mec, c'est un bandana, je suis dans l'équipe bleue. C'est Koh-Lanta, frérot. C'est Koh-Lanta. Mais attends, mais du coup, c'est pour qui? Ah, y a pas de nom. Y a pas de nom, donc c'est pour moi. Il n'y a pas de nom, c'est pour moi. C'est un bandana. Les gars, je fais partie de l'équipe bleue. Je fais partie de l'équipe bleue de Koh-Lanta. Hop, alors attends, tac. Attends, je vais le plier comme il faut. Je sais pas plier un bandana, mais je vais faire genre. Hop. Hop. Ah merde. C'est trop court.
J'ai une trop grosse tête. Au pire, je le mets au cou. Je mets pas au cou non plus. Bah attends, mais comment on fait? Le bandana, il est trop petit. Ah, j'ai une idée. Comme ça. Hop. Et voilà, frère. Et voilà. Je fais partie de l'équipe bleue. Bon, je l'ai un peu mal mis, je crois. Bam. Let's go. Let's go. Merci pour le bandana. Je sais pas c'est pour qui, mais c'est pour moi. Mets-le en mode ziac. Je sais pas comment on fait. Comment on fait? Pourquoi vous rigolez? Il est bien mis. En vrai, non? Je pense que ça va. Ziac. Attends, comment il fait ziac? Je crois qu'il fait comme ça. C'est comme ça, non? Ça, c'est un vrai couteau. Ça, c'est un vrai couteau. Ça, c'est un vrai couteau. Ça, c'est des vrais poteaux. C'est comme ça, ziac? C'était comme ça ou pas? J'en sais rien. Eh, gros, j'ai trop de flow, là. Eh, là, j'ai... Mais attends, mais là, frérot, je vais me faire strike de YouTube, en fait. Je suis en train de m'en rendre compte. Il est à l'envers. C'est pour Apolline. Trop tard, c'est moi, c'est pour moi. Ah mais j'avoue, c'est vrai qu'Apo, elle met souvent des bandanas. Il y a moyen que ce soit pour Apo. Et bah trop tard, c'est pour moi. Prochain cadeau. Attends mais wesh. Oh. What? Un porte-clés avec une tour Eiffel. Ok. Bah merci beaucoup frérot, mais je t'avoue en plus j'ai déjà fait une vidéo moi une fois où j'achetais tout ce que les vendeurs de Tour Eiffel y vendaient. Donc crois-moi que des porte-clés Tour Eiffel, j'en ai vraiment beaucoup. Donc c'est gentil hein, bah ça, il s'ajoute à ma collection. C'est gentil. Ça je sais pas si c'était pour quelqu'un en particulier, mais c'est pour moi. C'est fiac là, c'est pas ziac. Wesh, arrêtez les gars, arrêtez. Arrêtez, c'est pas gentil. Ziac de Wish, arrêtez. Bah attends, mais... Bah, c'est une blague. C'est un nouveau porte-clés Tour Eiffel, sauf que cette fois-ci, il est cassé. C'est un porte-clés Tour Eiffel 4. Mais frérot, là je pense qu'il n'y avait plus d'effort. C'est comme le tableau, le stud d'Inox, là. Il a dit... tu vois, il a été original sur certains trucs. Il y a d'autres trucs, t'aurais peut-être pu les garder, quoi. Mais c'est peut-être pour faire bleu, blanc... Ouais, non. Ça fait pas trop le drapeau de la France, en fait. Bleu, blanc, rouge. Non. Oh. Ouais. Ok, merci beaucoup, hein. C'est pour Andrea. C'est pour la sirène. Ah, c'est pour la sirène, vous pensez? Mais attends, je vais regarder la lettre. Ça doit être peut-être écrit dans la lettre. Ah oui, c'est écrit. Le numéro 1 est pour toi. Ok, donc pour moi. Le numéro 2 est pour Valouze. Le numéro 3 est pour Inox. Le numéro 4 est pour Apo. Oh merde. C'est pour Apo. Le numéro 5 pour Doc. Ah, donc ça c'est pour Doc. Petit indice, ça se trouve à la Tour Eiffel. Jure. Le numéro 6 est pour Dobby. Donc ça, non. Le cassé. Celui qui est cassé, il est pour Dobby. Petit indice, pareil que Doc. Ok. Le numéro 7 est pour Le Bouzeux. Petit indice, pareil que Doc et Dobby. Je pense honnêtement que le frérot qui m'a envoyé ça, il aime pas trop Doc, Dobby et Le Bouzeux. Le numéro 8 est pour Piggy. Petit indice, ça se mange et ça ne peut pas pourrir. Ok. Ça se mange et ça ne peut pas pourrir. Qu'est-ce qui se mange et qui peut pas pourrir? Le numéro 8, du coup, c'est pour Piggy. Donc ça, c'est pour Piggy, les gars. C'est un truc qui se mange mais qui peut pas pourrir. C'est du miel. Du chocolat. Le chocolat, ça pourrit. Ah, du miel. Peut-être du miel.
Du fromage. Non, ça peut pourrir du fromage. Mais je sais pas, le fromage c'est déjà pourri de base. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, c'est du bœuf? C'est du bœuf séché? What? Attends, mais il y en a... Mais il y a plein de trucs! Brownie au chocolat noir et noir... Mais attends, mais je vais me régaler! Ok, bon, c'est pour Pidi, j'ai compris. Chili con carne. Ah, mais en fait, normalement, ça peut pourrir. Sauf que là, c'est mis dans des emballages exprès. C'est mis dans des emballages exprès, en fait. Summit to eat. Des trucs de cassoulet. Mais what? Mais attends, mais on dirait des rations de combat, frérot. Je te... C'est un truc de cheveux, ça, ou c'est quoi? Un crumble à la pomme. Mais wesh. Mais wesh, en vrai. Eh, hey, mais en vrai, Valouz et Pidi, ils viennent demain. Valouz et Pidi, ils viennent demain. En vrai, je pourrais vraiment lui donner. Ok. Mousse au chocolat. Attends, mais ça, c'est de la mousse au chocolat? Mais what? Mais what the fuck? Gros, j'ai jamais vu ça. C'est de la nourriture ionisée. Quoi? Elle peut faire un 24 heures sur une île déserte. C'est lyophilisé, BG. C'est de la nourriture lyophilisée. Ok. Je connais pas. Ah, tu mets avec de l'eau, en fait. Ok, je connaissais pas. Bah, incroyable. Et ben, en vrai, incroyable. Merci à l'abonné qui a fait tout ça. En vrai, il s'est tué, quand même. Il y a juste les trois tours Eiffel. Il s'est pas trop fait chier, mais... On sent qu'il s'est tué. Donc, merci beaucoup à l'abonné qui a offert tout ça. Franchement, t'es un crack. T'as pensé à tout le monde. En plus, t'as pensé à toute la team Crouton. T'es chaud. Tu te reconnaîtras. Merci beaucoup pour tous tes cadeaux, mon frérot. En vrai, c'est quand même mieux que je fasse ça en live, les gars, qu'en vidéo. Parce que comme ça, si jamais il y a des trucs que je coupe en vidéo, et ben, en live, le mec, il peut quand même voir. Donc, c'est trop bien. Hop là! Let's go! Allez, on continue! Putain, mais ça passe trop vite! Ha! Attends. Oh! C'est peut-être une paire de chaussures, hein? Ça a l'air assez lourd. Est-ce que c'est une paire de chaussures qui se trouve à l'intérieur? What? Mais. Quoi? Mais. Attends, le frérot, il a cru que je faisais du 75? Mais wesh! C'est ça que j'aime bien avec ce genre de vidéo, c'est que je peux recevoir vraiment de tout et n'importe quoi. Gros, j'ai une tongue géante. Mais hey, ça c'est un... Oh, ça c'est un vrai truc de daron, ça. Oh! Mec, quand je serai daron, je vais attendre mes enfants comme ça. Ah ouais, t'as ramené une mauvaise note! Ah ouais. Non, 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 les gars, jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais attends, mais what? C'est pour GMK. Mais gros, tous les cadeaux, ils sont pour GMK. Non, mais attends, je vais mettre mes pieds. Je vais mettre mon pied, vous allez voir. Vous allez voir, hop. Je vais mettre mon pied, hein. Mais vous allez bien voir que c'est pas trop ma taille. Ah, en vrai, ça passe. Oh merde. En vrai, ça passe presque, hein. Franchement, c'est pas si mal, hein. Ça fait juste un peu mal entre les deux doigts de pied, là. Genre, il y a mon gros pouce et mon deuxième orteil, ils sont comme ça, tu vois. Donc, ça fait un petit peu mal. Je t'avoue, j'ai un petit peu mal aux doigts de pied. Mais franchement, c'est confortable, hein. Ah non, c'est agréable, hein. Je me verrais bien aller à la plage avec. C'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. C'est vraiment pas vrai, je suis en train de souffrir des pieds. Je vais vite remettre mes chaussettes. Tu rentres les deux pieds. Je te jure, je peux. Je rentre les deux pieds, je marche à pieds joints. C'est magnifique. Mais attends, mais qui m'a envoyé? Mais je comprends pas. En plus, c'est une tombe qui s'est fait chier à faire lui-même, je pense. Bah oui, t'achètes pas ça, frère. Ça existe pas. Qui achète ça en magasin? Ça existe pas. Frérot, le mec, il a pris des tuyaux de jardin. Mais ça, je reconnais. Hein. Ça, c'est vraiment des tuyaux de jardin d'extérieur. Et il a pris une planche de bois. Il s'est dit, tiens, je vais faire une tongue. Franchement, pas mal. Mais par contre, frère, tu veux... Mais gros, c'est une arme, hein.
Ça, c'est une arme de daron. C'est une arme de daron. Tu fais une connerie, le daron, il t'attend comme ça. Tu sais que t'es mort. Et bah, merci beaucoup à l'abonné. Merde, j'ai fait tomber. Merci beaucoup à l'abonné qui m'a envoyé ça. Y a pas de lettre. De toute façon, tu te reconnaîtras. Donc, merci beaucoup, frérot. T'es un crack. Allez, prochain colis. Hop là. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Qu'est-ce qu'on... Attends, mais je rêve. Le colis est déjà ouvert. Ok. Let's go. Prochain colis. Hop là. Qu'est-ce qu'on a là-dedans, frérot? Ouh. C'est un bas... Oh, mais attends, c'est trop stylé. Mais wesh. Mais wesh, c'est méga stylé, gros. Attends, c'est un ballon de basket en mode Pokémon. Attends. Laisse-moi voir ça. Aïe. Oh. Ça sent les ballons de basket. Je vous jure, les ballons de basket, la matière, elle a une odeur. Oh, mais attends, mais c'est... Mais il est incroyable, gros. Là, il y a illustration Mewtwo. Illustration Léviator rouge, Ramolos un peu aquatique. Oh, mais mec, les illustrations, elles sont... Oh, il y a Dracolos. Les illustrations, elles sont juste incroyables. Mais what? Mais attends, mais qui... Mais celui qui m'a envoyé ça, c'est un vrai crack. Hein. Les gars, il est trop stylé. Bon, il est un peu dégonflé, je t'avoue, faut que je le regonfle. Ouais, il est clairement dégonflé. Mais attends, mais il est incroyable. Après, je t'avoue, c'est plus un ballon de collection, je pense. Mais attends, mais pour de vrai, je suis choqué comment il est stylé. Ça, ça finit même pas dans mon décor, ça finit chez moi, dans mon salon. Je te jure. Je suis trop fan. Franchement, je suis méga fan. Je sais pas qui m'a envoyé ça, mais c'est hyper original comme concept. Ah bah attends, il a mis son arrobase Insta. Tiens, salut Michou, je suis Starky, artiste français à Los Angeles. Ah oui, ok, merci pour le, t'as oublié un mot là frérot, merci pour ce que tu as apporté à la commu Pokémon. Arroba... Les gars, si vous voulez son Insta, arroba Starky, tiré du bas, Grzesiak. Eh ben, c'est un crack. Franchement, c'est un crack. Merci infiniment, frérot, pour ton cadeau qui est vraiment très original et très stylé. Franchement, bravo, t'as beaucoup de talent. Allez, prochain cadeau. Hop là, on ouvre ça, frérot. On ouvre ça, je sais pas c'est quoi. Le colis, la boîte, je t'avoue, elle a une forme un peu originale. Eh, j'aime trop les ouvertures de colis d'abonnés. Hein. Eh, c'est vraiment trop bien. Tac. Hop là, magnifique. Putain, le couteau, c'est le meilleur truc que j'aurais pu penser. Ah ouais, je te jure, je suis trop content. Pourtant, c'est tout con. T'ouvres des colis, tu sais quoi, un couteau. Mais quand tu t'appelles Michou, c'est un peu plus compliqué. Hop. Hop. Qu'est-ce que c'est? Attends, je rêve ou j'ai vu une boule disco là? Attends. Je crois que j'ai compris c'est quoi. Attends, je crois que j'ai... Me dis pas que c'est ce que je pense. Mais... Frérot, j'ai gagné Dals. J'ai le trophée, les gars. J'ai le trophée Danse avec les Stars. Let's go. J'ai le trophée. Mais attends, mais frère, celui... Bon, j'ai essayé de le cacher, mais il est un peu cassé. Mais attends, il y a un abonné qui a recréé le trophée de Dals. Mais wesh. Ah mais je suis mort. Téma, il m'a envoyé les trucs. Il m'a envoyé les lettres.
Faut juste que je recolle les lettres danse. Pardon, ça faut que je recolle. En fait, faut juste que je recolle tout, hein. Eh, je recolle tout et hop, danse avec les stars. T'es ma frère. Eh, venez, j'appelle Elsa. Attendez, je vais appeler Elsa. J'appelle Elsa. J'appelle Elsa, je vais lui faire croire Dal s'il m'a envoyé ça. Elle va pas y croire longtemps, mais déjà, elle va m'engueuler. Elle va me dire, tu m'as pas donné de nouvelles aujourd'hui et là, tu m'appelles, c'est pour un live. Je vous jure, elle va me dire ça. Attends, faut que je l'appelle en FaceTime. C'est sûr, elle va m'engueuler, hein. Je le sais, je la connais. Ah, je la connais, Elsa. Mais attends, gros. Attendez, je me rends en condition. Putain, elle répond pas. Tant pis, Elsa, tout ça, on ne répond jamais, frérot. Non, c'est pas vrai. Ok, bon bah très bien, j'ai pris un gros vu. C'est parfait. Mais attends, mais en vrai, merci à celui qui m'a envoyé. Mais c'est un crack, hein. Le mec qui m'a. Mais après, en vrai, j'aime trop. J'aime trop l'idée. Franchement, mec, merci infiniment. C'est hyper original et merci infiniment d'avoir fait ça. Malheureusement, je t'avoue, je le mettrai pas chez moi, tu vois. En vrai, j'aurais kiffé, hein. J'aurais kiffé le mettre chez moi. Mais c'est pas le vrai. C'est pas le vrai. Je peux pas le mettre chez moi et être fier de moi, tu vois. C'est pas le vrai. Mais par contre, c'est incroyable comment tu l'as reconstitué. Vraiment très très bien. Franchement, ce cadeau est incroyable. C'est vraiment. Mais il y a que des masterclass, hein. Là, les gars, on a que des cadeaux masterclass, frérot. J'ai le trophée d'Als. Après, en vrai, si je peux le garder en vrai comme souvenir, c'est un truc de ouf. Ça me remémorera déjà que j'ai des abonnés en or et en plus que j'ai participé et que je suis allé en finale de Danse avec les Stars. Après, je t'avoue, je vois Elsa tous les jours, donc voilà. Ben magnifique, franchement, merci infiniment pour ce cadeau. Il y a pas de ah si, il y a un mot. Ok, Michou. Ok. Merci Corentin. Je viens d'Arras, putain, le boss. Franchement, merci infiniment. Je lirai. Aïe, je viens de me mordre. Je lirai ta lettre après. Merci vraiment beaucoup pour ce cadeau qui est vraiment un truc de fou. Franchement, GG, t'as dû prendre beaucoup de temps pour reconstituer ça. Mais t'es un vrai crack. Franchement, t'es un vrai giga crack. On continue. Prochain colis. Let's go. Qu'est-ce qu'on peut prendre là? Vas-y, on va prendre celui-là. Hein. Oh, c'est assez lourd ça. C'est assez lourd ça. Et tout à l'heure, on a eu un colis un petit peu comme ça. Et il était. C'était un banger. Tout à l'heure, le colis un peu comme ça qu'on a ouvert, c'était un banger. Et là, ça m'a l'air encore plus lourd. Oh. Ah, mais c'est un pull. Wesh. Attends, mais comment il a emballé ça? C'est un sweat? Mais attends, mes frères. C'est un pull l'équipage. C'est la marque de Gizzy. C'est un pull l'équipage. C'est la marque. Mais c'est pas Gizzy qui m'a envoyé ça, gros. Tu vas me dire que c'est un abonné. Ah, mais si. Attends. Non. J'arrive pas à savoir. Tu penses que c'est Gizzy qui m'a envoyé ça? Ou c'est un abonné? Parce que si c'est un abonné qui m'a envoyé un pull l'équipage, c'est un crack, mais il aurait dû le garder. Mais attends, mais c'est Gizzy ou pas qui m'a envoyé? J'arrive pas à savoir. Wesh. En tout cas, trop d'art. Trop d'art. L'équipage, c'est la marque du frérot Gizzy. Donc, ça fait toujours plaisir, les gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, je sais pas si c'est Gizzy ou pas qui me l'a envoyé. Ça me perturbe. Bref, merci infiniment. Prochain colis. Let's go. On va ouvrir ça, frérot. Ça m'a l'air très très bien emballé. Ça m'a l'air très très bien emballé. Je vois que le mec qui m'a envoyé ça a dû payer 8 euros. Il a dû payer 8 euros pour envoyer son colis. Donc putain, il s'est vraiment donné. Franchement, merci infiniment, frérot. Ah, ouh, j'ai failli me mettre. Là, j'ai failli me tuer là. Là, j'ai failli me mettre un coup de couteau.
J'ai failli me remettre un coup de couteau. On va essayer de faire un petit peu plus attention. Hop là. Attends. Comment je fais là? Comment ça s'ouvre? Frère, je me retrouve à découper le carton. Je cisaille le carton. Ouh. Attends, tu vas pas me dire que le mec il a payé 8 euros pour m'envoyer du papier bulle. Ok, ok, merci. Y a des trucs quand même. Ok, d'accord. Ok, je suis rassuré. Ok, il y a l'air d'avoir un peu tout. Alors attends. Oh, ok. Alors ça c'est quoi? Bon, il y a écrit ouvrir. On va l'ouvrir. Je sais pas c'est quoi. Mais... Attends, mais... Qu'est-ce que je suis censé faire de ça, là? J'arrive pas à comprendre. C'est censé faire un truc? C'est un 3? 3... 3 haltères? Merci beaucoup, mais... Ouh, alors ça je donnerais, je pense, plus à Inox. C'est gentil, franchement, c'est... Oh, ça c'est dard. C'est gentil, mais moi je t'avoue, manga, Naruto, tout ça, je suis pas trop dedans. Mais je pense qu'Inox peut kiffer. Donc je pense que je le filerai peut-être à Inox. Par contre, le petit truc Spider-Man, c'est bien, c'est... Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Il y a même un petit dessin Naruto. Ah oui, mais en fait c'est un fan de Naruto qui m'a envoyé ça, hein. C'est un vrai fan. Oh attends, ça je sens que ça va être un banger. Je mets ma main à couper. C'est un dessin Pokémon. Bah en fait c'est un peu abstrait. C'est un peu abstrait, j'arrive pas trop à savoir ce que ça décrit. En fait c'est un artiste qui m'a envoyé ça encore. Ah c'est un artiste gros, c'est sûr. C'est sûr. En tout cas c'est pas du Pokémon. C'est pas du Pokémon. Coupe ta main, mon ref. Ok, bon bah merci beaucoup. C'est Andrea et Emma. C'est deux filles qui m'ont envoyé ça. Merci beaucoup Andrea et Emma pour vos cadeaux. Ça a été fait avec le cœur encore une fois. Ça peut que être appréciable. Merci infiniment. Les amis, dernier cadeau. C'est déjà le dernier cadeau. On va ouvrir. Il en reste 3. On va ouvrir celui-là. Dernier cadeau, il est 20h. Je vois plus rien. Ah, vous voyez rien non plus. Attends, parce que là, ça a l'air d'être un gros truc. Après, c'est un peu léger. Oh lolo, attends. Oh, attends. J'ai vu. Je vois des paires de chaussures. Salut Michou et Inox. Ah. Ok. Qu'est-ce que... What? Display pour... Ah mais je crois que j'ai compris c'est quoi. Ah mais c'est trop stylé. C'est trop... Mais attends. Ok. C'est une entreprise qui a envoyé ça. On est une jeune entreprise lyonnaise qui travaille dans le milieu de la sneaker. Ça s'appelle Abon. Abon. L'équipe Abon. Bah merci à l'équipe Abon. Ok, en gros... Oh, c'est dard. En gros, les gars, c'est un truc comme ça. Bah du coup, là, il y en a deux. Il y en a, tac, il y en a un pour moi, un pour Inox. Et en fait, derrière, il y a écrit, en gros, c'est pour stocker. Oh, mais c'est, en vrai, c'est stylé de ouf. Genre là, c'est pour stocker mes sakai qui sont juste là. Et ben, en gros, je peux, regarde, je colle ce que j'ai reçu là. Je colle ce que j'ai reçu là. Et comme ça, je mets les chaussures dedans. Et après, ça rend comme sur la photo.
En vrai, c'est Darsa. Franchement, c'est hyper original. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui, comme moi, kiffent mettre les chaussures un peu en déco. Regarde, c'est ce que j'ai fait un peu partout dans mon décor. Donc un truc comme ça, genre collé au mur avec la paire dedans, c'est méga stylé parce que c'est dans le thème de la paire. Franchement incroyable, hyper original. Je vais me mettre un coup dans l'œil. Je connaissais pas du tout. Bon, je pense que ça prend un petit peu de temps à installer. Là, je vais peut-être pas faire ça maintenant, mais tu vois, dans l'idée, tu colles ça, hop. Là, tu mets la paire ici et ici. Et ça fait une bête de déco. Franchement, hyper original. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je connaissais pas. Et bah, les gars, j'espère que vous allez aller loin. Et puis, si je peux vous envoyer un petit peu de force, ça fait plaisir. On a plus de 150 versions déjà en ligne. Donc, il y a 150 trucs comme ça différents que vous pouvez commander selon vos paires. Méga stylé en tout cas. Méga stylé. Franchement, je kiffe. Je kiffe, c'est original, j'aime bien. On termine sur une très bonne note. Les amis, un dernier s'il te plaît. On va passer à Among Us. Les gars, Among Us, je suis pas tout seul. Je suis un petit peu en retard et tout. J'ai pas envie d'arriver trop en retard. Bref, les amis, merci d'avoir suivi cet opening. J'espère que vous avez kiffé. Franchement, moi j'ai surkiffé. Il y avait que des bonnes choses, que des trucs hyper originales et tout, que des bonnes surprises. Donc voilà, merci d'avoir suivi, j'espère que vous avez kiffé. Et puis voilà, bisous les gars. Voilà, comme ça, je pourrais faire une belle rediff en vidéo, c'est carré. Au revoir les amis, ce n'est pas terminé. On va passer sur Among Us, je vais lâcher ce couteau. Je vais tuer quelqu'un. Hop, on met ça, attendez. Parce qu'il faut juste que je fasse un petit peu de place. Parce que du coup il y a des cartons partout. Bon, moi faire de la place, ça veut dire tout dégager. Je rangerai après. Merde, ma chaise. Je vais chercher une chaise. Je vais chercher une autre chaise. J'arrive les gars. Magnifique. Ouh, il est 20h08. Ouais, je sais, je suis en retard. Mais en plus, t'es un menteur, il est 20h07. Hop là. Let's go. Les gars, on va passer à Among Us. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'Among Us. Mais de toute façon, en gros, maintenant, Among Us, on a un nouveau rythme. C'est qu'on fait Among Us une fois tous les mois, je pense, tous les deux mois. Du coup ouais, on va passer sur du petit Among Us. J'espère que vous êtes prêts. Tac tac tac, faut juste que je rejoigne les autres sur Discord. Bien sûr. Let's go. En vrai je suis hype là, hein. Franchement je suis hype de fou par Among Us. Il faut juste que je fasse. En fait là les gars, le problème. Attends, ça va être chiant de ouf. En gros là les gars, le problème c'est que mon écran de jeu habituel il bug. Vous voyez, c'est un écran noir. Et du coup je suis obligé de faire sur mon écran de stream. Genre je fais. En fait je contrôle la souris de l'écran que vous voyez. Moi je vois comme vous. C'est à dire que là, mon écran de jeu, je me vois en carré là ici. Je me vois là sur mon écran de jeu. Mais parce que je suis obligé. Et sauf que le problème c'est que je vais aller sur Discord. Mais ici il faut que je. Bah déjà là il y a un problème. Déjà à partir de ce moment là il y a un petit sou. Non attends, c'est trop dangereux. Putain, comment je fais? En plus je peux même pas. Oh bah wesh. Bah wesh. Je suis sur mon Discord là. Among Us FR. Bah attends, c'est magnifique. C'est pas moi ça.
Mais... Attends, mais je suis sur mon Discord là? What? C'est le QR code. Ah merde. Mais comment je fais là en fait? Là je peux... Putain, je suis dans la merde. Je suis dans la merde de ouf. Tu t'es fait QR code. Tu t'es fait hack. Non mais arrêtez. Ah. Ah. Ah mais attends, mais je suis con. J'ai juste à faire ça. Bah voilà, je me connecte sur Discord mais sur mon autre PC. Ha. Bah voilà frère, je suis un génie. Je suis un génie ou pas? Hop là, comme ça vous voyez rien. Eh les gars, je suis un génie. Hey, je suis un génie, gros. Hop. Magnifique. Oh, Valouz, il a mis, on vous attend. Il y a deux mecs en retard. Moi, Timout. J'arrive. C'est vraiment de famille, le retard. Discord, c'est où Discord? Hop, se connecter. On voit. Non, vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs, on ne voit pas. Tac. Compris. Ok. De toute façon, si je me fais hack mon Discord, les gars, j'en ai rien à foutre. Discord, je me cause jamais. Hop. Magnifique. Et Among Us. Et des imposteurs. Non, non, mais il peut Ouais, se les cacher gars, pour voler utiliser ses les armes. veines. Il peut utiliser les veines comme un imposteur, sauf Il qu'il n'est peut pas se un cacher à imposteur. côté d'une veine, et s'il y a un mec qui Mais rentre dans mais la veine, bah il voit que si c'est pas jamais lui. il y a un mec qui te crame rentrer dans la veine, tu peux dire du coup que t'es ingénieur. Le Ah, problème, le c'est que mec, c'est une bon. chance sur deux, tu vois. Il est tout double, Ouais. En fait, tu peux, mais bon. C'est Ouais, déconseillé le quand même au niveau, chat! tu Ouais, vois. les S'il y a un gars! mec qui est Bah ingénieur, ouais, le hacker. ça va? Ça dit Oulala, on est quoi? là. Ça va? Bah, ça va, et vous? Bah, pourquoi on nous a dit que tu t'étais fait hacker? Non, mais ils disent Donc, c'est qui n'importe. a quitté, là? Non, mais en fait, par contre, j'ai un écran qui marche plus. Et du coup, il Cassé. faut télécharger un Ah, vous truc, allez faire le là. lobby? Attends, Ah, attends, attends, attends. t'as T'as pas pas Better Better Cooling? Calling? Non. C'est bah, ça a pris deux Oula! secondes, frère. Mais c'est sûr, tu l'as T'étais pas sûr, enlevé! t'étais sûr. Mais c'est pas grave si les gens ils voient le Better Cooling. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas Si, il y grave. a le code. Si, je crois, il y a le code sur Better Cooling. Il me semble pas. Hein. Si, quand... Si, il y a le si, code. Ah non, je mais peux jouer. tu... non, mais tu te mettras en full cam et en fait, en gros, une fois que t'es sur ton jeu, le C'est. Better Non, Cooling sera derrière en toi. fait, le problème là, Val, c'est que je suis obligé de jouer avec mon écran OBS. Parce que j'ai pas mon écran. Mon écran qui retransmet mon jeu, il marche pas. Du coup, mon PC il capte l'écran de jeu, mais moi l'écran de jeu je l'ai pas, donc je suis obligé de jouer avec mon écran de live. Ah, du coup, tu peux pas switch sur une grosse scène et Voilà. Ah, il Oh, regarde sur bordel le de merde. retour. Oh, bordel de merde. Bah, c'est Mais c'est dingue. infernal. Oh, ça Avec va ton Steam niveau le Deck, tu code. peux voir? Mais sinon, faut que je mette ma cam au bon endroit, mais moi ça va être dur. Je vais devoir cliquer quoi, derrière ma cam. Mais c'est quoi ça? Ah. Vas-y, essaye. Hey, Bichou, essaye. Vas-y, je vais essayer. On Hey, se trouve là. comment on coupe les notifs Discord? Bah dans les paramètres. Clic droit serveur. Mais Et la il doit aller dans les paramètres en regardant la fenêtre OBS. Non, pas sur Discord. Discord, c'est bon, c'est mon PC de stream. Bah, il Ok. joue sur ton PC de stream alors. Ben oui, mais mon PC de Bah, stream, vas-y, je peux pas le prends. streamer, frère. Quand il est arrivé à 20h12, hein. Ton PC, Attends, il je peux est... tu peux peut-être. pas Au le pire, streamer. je peux peut-être streamer mon PC de stream. Bah oui, c'est pas le jeu le plus gourmand non plus. Hein. Bah oui, j'avoue. Et Dobby, il est pas dans le coin? Mais j'arrive pas à enlever les notifs. Je sais pas où. Non, Dobby, je l'ai pas vu. Oh, c'est infernal. Ouais. Hey Michou, je sais pas pourquoi je m'en doutais. De quoi? Je m'en doutais. Mais comment on coupe les notifs? Ouais, le Mich, ça dit quoi?
Toujours en retard. Bah frère, t'es arrivé en retard aussi, fais pas le malin. De fou frère. T'es arrivé plus en retard que moi. T'es arrivé 10 minutes avant. Bah ouais, ça va, ça va. Fais pas le mec non plus. Ok, ok. Dis quand t'as téléchargé Better Cooling, Mich. Ouais, mais j'arrive pas à les notifs. Les notifs ? T'arrives à enlever les notifs Discord ? Il fait clic droit sur le serveur, paramètres de notification, okay. Rendre tout muet. Attends. Sur le serveur ? Mais non, serveur, mais je crois que c'est parce qu'il se fait MP, gros. Ouais, ou alors tu passes en rouge, hein. Rendre tout muet. Ne pas déranger. Ouais, ne pas déranger. Vas-y, je passe en rouge, frère. Passe en rouge. Mais le truc rouge, c'est déconnexion. Non, mais ne pas déranger. Clique sur ta tête, en bas. Sur ma tête. Et tu fais ne pas déranger. Ok, c'est bon, je suis en rouge. Voilà. Ça bip encore ou pas ? Ça bip, ouais. Mais aussi, sinon, attends. Tu vois la petite roue. Non, je crois que ça bip plus. Si, non, ça bip. Ça a tout. Va dans les paramètres, va dans les paramètres. C'est paramètres de son et paramètres à droite, mais c'est à droite de sa tête, là. Putain, les gars, je suis désolé, hein. Va dans les paramètres, Mich. Ouais, je suis dedans. Après, t'as un truc, c'est notification. Ouais, genre, en dessous de texte et image. J'enlève tout. Tu descends et tu décoches tout. Vas-y, vas-y. T'es un crack. Alors, j'ai Better Cooling. Notification jamais. Hein. Ah, bah voilà. Bam. Tous les sons, je les enlève. Bah attends, mais il y a trop de trucs, wesh. Eh, la musique du jeu, elle me rend fou là. Attends. Eh, ça fait une heure, je suis dans. Va sur l'engrenage à côté de ta tête et tu fais des. Attends. Ok. Maintenant, vas-y. Ajouter. Putain, pourvu que t'aies pas de problème avec Better Cooling, s'il te plaît. Capture d'écran. Ah, je crois que c'est bon. Oh, c'est parfait. Faut juste que tu crées une nouvelle scène, quoi. Ah, mais ta cam, elle est pas connectée à ce store d'ici. Si, t'inquiète. Mais wesh. Mais y'a un problème là. Mec, ton stream il a aucun putain de sens. Ah! C'est bon! Mais gros, mais t'as combien de trucs dans tes scènes là? Merde! Voilà! Ok, c'est bon! Ouais, j'ai trop de trucs! Ok! Et t'as comme ça. Better Cooling ou pas? Ah bah voilà! Ok, bah parfait! Ouais, là j'ai Better Cooling! Ok! Bah lance! Avec c'est Better Cooling. T'as quelle version ? Est-ce que t'as la version 2.9.1 ? Ouais, c'est ça. Ok, bah tu lances via Better Cooling. Attends, il faut juste que je fasse. En vrai, pas besoin de lancer via Better Cooling. Hein. Ouais, c'est vrai, mais bon. Peu importe, on prend pas le risque, ça bug déjà assez. Eh, mais y a pas une histoire de. Ok, de parfait. À mettre le code pour Better Cooling ? Non, c'est. Non, y'a rien à changer. Non, t'inquiète. Je lance le jeu via Better Cooling ? Ouais. Comment on fait ? Je peux pas. Y'a un problème, c'est que quand il va vouloir aller voir le code, va falloir que tu te mettes en full screen, Mich. Parce que mais c'est bon, il arrive maintenant à se mettre en full screen. Ok. Ouais, mais là, le problème, c'est que je peux pas. Quoi ? Lancer le jeu avec Better Cooling, ça marche pas. Pourquoi ? Non, mais lance solo. Mais attends, solo, mais t'as pas Steam, peut-être pas ton Steam ordi, sur ton ordi. Pourquoi il a pas Steam ? Bah si j'ai. Ah non, pas sur mon ordi. Oh jeu. Non, mais putain ! Pourquoi c'est aussi compliqué d'avoir. Eh vraiment, une grosse galère. Frère, écoute, moi j'ai un setup, mon problème c'est qu'il marche quand il a envie. Ah. C'est infernal. Putain. Je commence à jouer à 30. Mais du coup, faut que j'installe. J'ai oublié de passer ce week-end, voir ton setup et de te faire un truc clean. Ouais, j'avoue, c'est pas bête. Mais du coup, faut que je télécharge le jeu avec Steam. Oui, bah oui, exactement. Faut d'abord que tu télécharges Steam d'abord. Merde. Voilà. Faut d'abord que tu télécharges Steam. Merde, en je crois les gens connect. Ils ont. Mais pourquoi t'as désinstallé un Among Us ? Mais non, il avait votre sur son PC de il a pas sur son PC Steam. Ah oui, c'est vrai, bah oui. Putain. Non, mais après, le problème, c'est est-ce qu'il y aura le son dans son casque parce que c'est son PC de stream ? Oh, ça, on verra après. Déjà, c'est pas vrai. Bah, si, il y aura forcément le son. Il a Discord dans ses oreilles. En gros, il doit avoir une carte son avec les deux PC reliés dans la carte son. Ouais, t'inquiète. Ok, ouais, je m'inquiète. Ouais, justement. Magasin. Mais j'ai vraiment besoin d'installer Steam. Bah, oui. Ah, oui, sinon, ah, oui, bah, oui. C'est comme si tu me demandais est-ce que je suis obligé d'installer Epic Games pour télécharger Fortnite.
Ouais, c'est vrai. Rassure-moi, t'as encore fait l'op de Steam? Ouais, c'est bon, j'ai installé là. Ah bah ça va, ça doit être rapide alors. Ouais, ça arrive. le chat, vous entendez bien tout le monde ou pas? On entend pas ouf les autres. Ok, normalement je les ai montés. Allez Mich, on croit en toi. Normalement là vous entendez bien les autres. Oui, oh, Valouz, j'arrive presque. C'est à quoi que tu fais ça? Ah c'est bon, là j'estime. Let's go. Parce qu'il a pas mis de mousse acoustique chez lui. Oh, le monstre. Ouais. Maintenant faut que je télécharge Among Us. Mais vas-y, aussi gros, on vit dans un monde où faut télécharger trop de trucs pour jouer à un jeu. Moi je comprends pas. Putain. Mais frère, pourquoi il faut télécharger Steam, Better Cooling, Among Us pour jouer à Among Us? Bah parce que faut jouer à, pour jouer à Among Us, faut télécharger Among Us, déjà. Oui, mais normalement tu... Oui. Donc il te faut Steam, parce que c'est la bibliothèque. Et Better Cooling parce qu'on met un mode. Bah ouais. Je t'ai répondu premier degré. T'es chiant. magasin. C'est bon, Among Us. Oh, ah, mais je l'ai pas. Non, non, Mich. Non. Achète-le. Non, je rigole, je rigole. Je l'ai, je l'ai. Attends, il est gratuit, non? Non, mais c'est payant maintenant. Non, je l'ai, je l'ai. Bah, je crois, non. Ça coûte 2 balles, non? Ouais, 2 ouais, balles, frère, 2 balles. Il coûte 2 euros, ça va. C'est cher, hein. Ton rat, toi. 2 balles pour un ancien jeu gratuit. Ils nous ont quand même bien niqué, hein. Attends, il a été gratuit, jure. Je crois, ouais. Ouais, sur Epic Games. Ah oui, sur Epic Games, c'est vrai. Merci Naruto. Attends, mais wesh, 70$ canadiens, Naruto, merci infiniment. Ça pourrait aller mieux, hein. Ça pourrait aller mieux. Oh. Merde, le jeu, il s'est lancé, attendez. Les gars, le jeu, il s'est lancé. Oh. Il a lancé via Steam ou via Better Cooling? Par contre, le son du jeu est trop fort. Il va devoir faire tous ses réglages. Eh, vas-y, vous savez quoi, je vais créer la partie. Vas-y. Ouais, vas-y. Au moins, nous, on se promène. Ouais, non mais t'inquiète, en vrai là j'ai juste Je sais pas pourquoi mais je sens qu'il va niquer le code. Hein. Liquez pas le code. Hein. Ça alors pas là, terminer comme ça. Frérot, je mets ma main à couper que je lique pas le code. On retient. On n'oublie pas. Hop. Normalement c'est bon. Et bah les gars, je suis prêt. J'ai mis le code dans le salon textuel juste au-dessus. Pourquoi je peux pas jouer en ligne? C'est bon, j'ai accès. Eh mais comment lui, mais tu trolls là, c'est pas possible. Non, je te jure, quand je clique sur online, ça fait rien. Fais échappe. Attends, mais... Pourquoi échappe ton écran, là, mon écran. Bonjour. Coucou. Yo. Account. Clique sur Account. C'est où, Account? Attends, à gauche, mais le code, là, ça le montre en stream. Oui, je pourrais, je m'appelle Exirust. Ouais, bah mais fais sign-in, et en fait, je crois qu'il faut que tu te connectes. C'est parce qu'il y a eu des problèmes avec les mineurs, je crois. Ah, je crois que c'est bon, je suis connecté. C'est bon. Accepte. Magnifique. Ok, moi je suis prêt. Ok, là, va voir dans le salon textuel. Faut mettre dans Quick Chat Only. Le salon, ok. Vous faites Quick Chat Only, ouais. Et si ça marche pas, c'est l'autre. Putain, les gars, on y a réussi. Oh la dinguerie. Ah, les gars, je suis le grand frère de Michou, hein. J'avoue. Mec, j'entends tout le monde dans mes oreilles, là, Michou, je suis en train de câbler. Pourquoi? Bah parce que moi je suis dans le salon là. Ah mais oui merde, c'est pour ça que j'entends que toi. Et attends, c'est quoi ces discussions? Là tu vois le salon textuel, bah tu vois notre salon Among Us là. Ah oui dedans. Ok c'est bon. Ça commence par un P. Ouais c'est bon, j'ai... Oh j'ai fait me faire niquer. Attention, j'ai fait me faire niquer. Il a fait liquer wesh putain. Je suis mort. Allez Mich, tu peux le faire, on y est bientôt. Ok. Oh, ça marche pas. Ah, parce que j'ai pas mis Quick Chat. Ouais, c'est Quick Chat. Oh, je suis là. Oh, mais regarde, tu t'appelles comment, wesh? Tu t'es pas renommé. Ah merde, je me suis pas renommé. Attends, je vais me renommer, j'arrive. Ah, c'est bon, t'entends. Moi, je suis un beau gosse. Faut que je me renomme. Ouais parce que là GZX Rust gros. Rust. Ouais c'était Mich. Ok. Bon Mich, je te souhaite bonne chance, je me mute ici. Vas-y, de toute façon c'est bon là.
Ok. La portée du... Let's go. C'est mieux. Ok, je réduis la portée. Mais non, mon petit bateau, ça va. Je l'ai mis à... Je l'ai mis à 4, ça va 4. Vous m'entendez, les gars? Attendez, attendez. Ouais. Let's go, je suis trop content. Vas-y, parle, fais blablabla à droite. Vas-y, à... Blablabla. Je t'entends encore au fond, hein. Regarde, on s'entend si on... Vas-y, qui? Il manque Timout. Nico, il manque Timout. Oui, non, mais c'est là. Mais si t'es... Il manque Timout. Eh, mais... Bah Timout, je sais pas. C'est mute. C'est tout au fond, on s'entend. Ouais, genre... Eh les gars, j'ai une, une question, vous m'entendez? Oui, on t'entend, Michou. Ah, trop bien. Et j'ai une question. Oui, on t'entend. Valouze. Oui. Viens voir. J'ai besoin de toi, grand frère. Qu'est-ce qu'il y a? Qui a mis ça? En haut à gauche, j'ai plein de trucs d'options. Enfin, tu sais, j'ai tous les trucs de Discord. Je sais pas comment les enlever. En haut à gauche, t'as tous les trucs de Discord? Ouais, j'ai tous les trucs de Discord, mais ils servent à rien. Je sais pas comment les enlever. Ça va, nickel, ça va, nickel. C'est un tous les zoo, trucs de les gars. C'est-à-dire, ah, toutes nos pseudos à nous? Ouais. Ah, c'est dans les options. Ah, c'est dans les options overlay. Overlay. C'est ah oui. Overlay dans les paramètres. Oh, ah, c'est bon, parfait. Salut, ménage. Ah, Better Calling qu'on entend, c'est bon. Ah, c'est bon, il est là. Ouais, les gars, je suis présent, les amis. En fait, vous avez de la chance qu'on m'a prévenu. Faut réduire encore. Parfait, les gars, moi tout est bon. Attendez, moi tout est pas bon. Le chat, vous entendez bien les gens? Tu m'entends? On n'entend pas les autres. Ah bon? Ah, moi je les entends. Bon, est-ce que vous êtes tous prêts? Vas-y, go, go. Ah, ouais, moi je suis prête là. On est tous prêts. Je vous souhaite bonne chance pour cette nouvelle session. Là, et puis trop bas. C'est un bordel, les gars. Allez, j'ai tout. Vas-y, bisous. Ça va être j'entends à droite. Là, j'entends à gauche. Alors, petit prout, tu nous entends? C'est un zoo. Oh putain, je suis imposteur. Oh bah on verra les gars, on verra. Ah mais c'est vrai, y a les on les entend mais c'est trop bas. Normalement ça va être bon. Bonjour. J'enlève le chat. Pas votre chat. Mich. Ouais. Au cas où vraiment tes viewers ils disent que c'est nos sons est bas, tu peux, tu vois ça, la fenêtre Better Cooling, tu peux nous augmenter manuellement. Ah. Donc, sur notre petit bonhomme et t'augmente la voilà. Ok, bah là normalement j'ai réglé, normalement ça devrait aller. Ok, bon bah voilà, j'ai fait ma mission de grand frère Valouze. Vas-y, bisous grand frère. Allez, bisous hein. Hop, ok les gars, j'ai la mission des fusées. Purée, j'ai plus joué à Among Us. Je ne sais plus jouer à Among Us, c'est pas une blague. Let's go. La partie commence, je suis crewmate. Je suis un bon petit crewmate. Hop, les tasses qu'on enlève. Eh, je sais plus jouer à Among Us pour de vrai. En plus, on joue avec le chat de proximité, ça fait longtemps. Oh j'adore. Bah j'ai pas de mission. C'est quoi ça? Mode. Il y a un truc mode. Attends mais j'ai... Ah oh, mais j'ai pas écouté. Je sais pas s'ils ont activé des modes. Ouais, va... y a des modes. Il y a des modes. Il y a les modes ingénieurs, etc. Scientifiques, tout ça, tout ça. Ok mais ça c'est comme d'hab. Ouais ouais c'est comme d'hab. Et il y a aussi le métamorphe. Hein. Ah ok d'ac. Mais bon, okay. Métamorphe avec le cadre de proximité, j'ai hâte de voir. Hein. Ah ouais j'avoue frère. Si tu ne réponds pas c'est que t'es chelou gros. Ouais ouais, ouais j'avoue. Il faut courir. Ah mais oui j'avoue. Putain je suis stressé les gars. Ah ouais. Et pourtant je suis gentil. Non frère, c'est exactement ce que j'allais dire. Tu stresses pas quand t'es gentil sur ce jeu. Bah, est-ce que je l'aurais dit? Ouais c'est vrai. Ouais j'avoue. Je vais allumer la lumière. Essaye pas de t'innocenter grâce à ça non plus. Ouais, mais je vais au labo sur y'a un mort. Si je reviens pas du labo je me suis fait tuer. Ah, tu viens aussi? Pourquoi il a pas répondu là? Ok. Mais y'a pas un mec qui veut allumer la lumière là? Oh, la lumière! Ah, merci au mec qui a allumé la lumière quand même! Merci Gaëtan pour tes 5€! Bon bah, je crois qu'il y a pas de mort ici au final. Bon bah, au final, je vais faire mes quêtes ici, hein, y'a pas de mort. Ok, donc moi j'étais avec Valouze. Valouze il est pas loin du labo. Après, je sais pas s'il est allé allumer la lumière. J'espère que vous entendez bien le chat. Oh merde, j'ai oublié cette mission, elle prend une éternité.
Bon, en vrai, les gars, moi, je me remets un petit peu dans le bain. Là, je suis croucrou, je suis mes mates. C'est vrai qu'il y a les nouveaux trucs ingénieurs, métamorphes et tout pour les imposteurs. Mais vous inquiétez pas, on va y arriver. Je réexplique vite fait pour ceux qui connaissent pas. Ingénieur, c'est un gentil, mais qui peut prendre des ventes. Donc il peut feinter les gentils, donc ça c'est pas ouf. Mais tu sais, ça rajoute plein de mécaniques au jeu du coup. Métamorphe, c'est un imposteur. Il sort d'où qu'ils sont? J'ai peur. C'est qui sont, je le jure, c'est qui sont. Ça confirme, Balou, ça confirme. Je me suis fait one shot. C'est quoi le bâtard? J'ai raccourci sur ma touche et j'ai appuyé sans faire exprès, les gars. Caisson. Voilà, c'est ça, vous en faire le jour pro, mon dieu. Il a même pas cherché à se défendre. Hé, Caisson, c'est toi qui as pris la vente au niveau des toilettes? Ouais, c'est moi. Ok. Il a même pas cherché à se défendre. En fait, Michou, c'est bien fait. Oh le bâtard. Il s'est pris un karma, Michou. Kimout, t'as le mais pourquoi j'ai pris un karma? Il s'est fêté, je ou pas? J'ai rien fait de mal. Bah, je sais pas. Ok. Du coup, le chat, est-ce que tout est bon? Non, pas en plus, c'est safe. Ouais, 100%. Non, pas en plus, 100% safe. Merde, pourquoi y a pas? Mais en plus, je vote pour moi-même. Ça, c'est super intelligent, ça, mec. Ça, c'est la stratégie. J'étais en train de faire ma touche. Ah ouais, Google. Oui, tout est bon. Y a un logo. On entend mal, remets plus fort. Ok. Valouze, hop. Bah parce qu'on est team nourriture, nous. Oh les dalles. Viens avec moi, viens avec moi. Bon, là, normalement, les gars, j'ai monté tout le monde de 28%. Normalement, ça devrait être un peu mieux. Bon, bah, Caisson, il a fait un petit peu le con. Mais du coup, ouais, pour vous expliquer les nouveaux rôles. Alors, ingénieur, c'est un gentil. C'est pas un imposteur. Ingénieur, c'est un crewmate, mais qui peut prendre des ventes. Métamorphe, c'est un imposteur, mais qui peut se transformer en quelqu'un d'autre. Genre, si je suis métamorphe, je peux me transformer en Valouze et tuer quelqu'un. Sauf que là, le problème, c'est qu'on a le chat de proximité. Donc, si je me balade en tant que Valouze et qu'un mec me parle, je dois imiter Valouze, tu vois. Donc, ou pas parler. Donc, ça va être un peu chelou. Et après, il y a scientifique. Scientifique, je pense que vous connaissez pas mal. J'ai fait des vidéos dessus. Scientifique, c'est... t'es un crewmate normal, sauf que tu peux voir les gens qui sont morts en direct. T'as accès aux Vitals. Voilà, les gars. Ouais, les notifs Discord, je peux rien y faire. C'est pas Nico. En vrai, c'est trop chiant. Je comprends pas pourquoi j'ai des notifs Discord. Attends. Hé, Val, quand on était en train de parler avec Verti, Tiprout est sorti de... storage, non? Et il y a une vente à côté. Les notifs Discord, j'ai tout enlevé. Moi, j'ai croisé. Allez, dis-moi, ça dégage. J'ai croisé Chobrai. Mais non, mais écoutez-moi. J'ai pas vu Pimpus. Parce que moi, j'étais avec Chobrai, je lui ai demandé une photo. Il m'a dit non. Du coup, je suis monté parce que j'ai fait la quête à storage et voilà. Attendez, je vous avoue que j'ai pas vu. Mais attends, mais petit Prout, attends, tu veux que je t'explique un truc, petit Prout? Vas-y, tout à l'heure, je parle à Vertigo devant storage et on a vu personne rentrer dedans. Et il est mort là, vous mangez. On a vu quelqu'un en sortir. Allô, allô. Je crois que c'est mieux. J'ai une question. Je crois qu'il y aura plus. Est-ce que tu es imposteur? C'était sur mon autre PC en fait. Tiens. Parfait. Par contre, j'ai fait le code. Je vais me faire engueuler. Bon, c'était la partie des chauffes, les gars. C'était la partie des chauffes. Mais t'es trop nul. Ah, mais du coup, j'avais raison au premier truc. Ouah, comment j'étais trop chaud. Merci Manon pour tes 5 euros. T'es trop nul, tu prends la tête de tout le monde. T'inquiète, non mais Tiprout, c'est pas grave, c'était la première. C'est la première, c'est la game de chauffe. Comme par hasard, c'est celle où je suis imposteur. Vas-y, c'est bon. C'est toujours pas imposteur. C'est vraiment la game de chauffe. C'est bon, mais moi j'ai voté pour moi là. Bisous. J'ai honte de moi. De quoi, bisous? Ah, quand ils vont savoir que j'ai lu le code, ils vont avoir trop le seum. Je vais péter un câble. J'entends des trucs de fou dans mon oreille depuis tout à l'heure. Ah bon? Let's go! Eh! Hey, comment je l'ai démasqué, c'était incroyable! Bien joué! Oh! Level 2! Ah, mais moi! Putain, j'ai oublié, il y avait des levels! La game est full! Tiens! Attendez, je vais me démuter de Discord! Wesh!
Allô. Je peux plus rejoindre. Qui a dit que le code? La partie est saturée. Je peux plus rejoindre. C'est Timout, ça. 100% c'est Timout, ça. C'est qui a dit? Ah mais oh vas-y, c'est sûr, ah, c'est Timout, frère. Timout, il a fait une story, gros. Je suis non mais non, les gars, je vous jure. Hey, j'ai. Oh putain. J'ai failli jurer, j'ai failli jurer. Non, c'est Timout. Timout, attends, attends. Timout frère. Timout, pourquoi tu liques le code comme ça, frère? Si jamais je lique, je me coupe la main. Timout. Oh, j'avoue. Qui a dit ça? C'est toi. De toute façon, c'est pas moi qui a leak. Si. Ok. C'est tout le monde. C'est peut-être. Il a remis un nouveau code. Il a mis un c'est peut-être moi. Let's go. De toute façon, il y a un nouveau code. Cette fois-ci, je le ferai pas leak. Promis. C'est toi. Mais j'étais un putain de troll. Mais j'ai pas fait exprès. C'est pas possible. T'es un PC gros WC. Mais t'en fais exprès. Non, je te jure que j'ai pas fait exprès. En fait, j'ai je t'ai écouté, tu sais, j'ai ouvert la barre crewlink pour modifier les gens. Sauf que du coup, il y avait le code. OK. OK, putain. Les gars, s'il vous plaît, n'allez pas. Let's go! C'était sympa, c'était une petite partie de chauffe. Les gars, tout est bon. C'est pas moi, c'est pas moi, j'ai pas leak. C'est parti, les gars, mon gars! J'ai leak le code aussi en vrai. Même moi, mais non, mais en fait, je t'explique. C'est parce qu'en fait, let's go! J'ai mis ma cam sur le code. Ok. Y a personne. C'est le mode pas. Alors du coup les gars, pour vous expliquer là on joue en mode vas-y explique nous là. Oui, je vais arrêter de tous me coller comme ça. Je parle à mon chat les gars. Mais arrêtez, je parle à mon chat. Vas-y, va parler à ton chat, on était viewers. Mais ouais, je vous ai trop chiant. On a la garden si on le suit. Ok, du coup les gars, pour vous expliquer, là on joue en. Arrêtez. Mais laissez-moi tranquille. Là on joue avec Better Crew Link. C'est-à-dire que on peut s'entendre. En gros, on s'entend avec le chat de proximité. On s'entend avec le chat de proximité. Et il y a plusieurs modes. Tu peux nous les expliquer, Valouze? Il y a le mode métamorphe, le mode scientifique et ingénieur. Voilà, scientifique, en gros, c'est un gentil qui peut voir les Beatles. Ingénieur, c'est un gentil qui peut prendre des ventes. Et métamorphe, c'est un méchant qui peut se transformer en mec random. Voilà. Ouais. Donc, c'est parti. Moi, je pense que Valouze est métamorphe. Ok, bonne partie, tout le monde. Bisous. Allez, c'est parti, bisous! Tout le monde s'en branle, moi le premier. C'est T-Bray qui met des trucs ou pas? Je sais pas, c'est qui le mec qui met des sons. Ok, c'est parti. Parler trop fort parce que si. Ok, et ben moi je vais à la laboratoire. J'ai la fusée, paf. Ok, parfait. Wesh, Tiprout. Ouais, 4 subs, okay, qu'est-ce bon. Qu'il y a, 4 subs? Oh, mais il y a du ça dit quoi ici? Eh, hey, ici, c'est le cartel, en fait. Ouais. Bonjour. Bonjour. Putain, j'ai rien à faire ici, wesh. Ok, Ghost Specimen. Pour l'instant, il n'y a pas d'infos, il n'y a pas de mort. Il y a Tibra qui faut les mirer avec moi, je crois. Hop, faut placer ça dans ça, faut placer ça ici. Tac. Ok. Ah bah je vois encore moi. Ah bah y'a Michou aussi. Ouais, je petit prout. Ah, est-ce que je vois, ils ont pas trop envie de me parler. Allô, tu m'entends pas? Ouais, je t'entends là, c'est bon. Bah voilà frère, donc pourquoi tu me dis que j'ai pas envie de te parler? Allô, y a quelqu'un? Non, trop dangereux. Oh, les tâches sont terminées. Cherchez quelqu'un justement. Tiens. Oh, 4 subs. Qui est mort? 4 subs. Bizarre tout ça. Les amis, bizarre tout ça. Devant la porte électricité. Et en fait, j'ai vu le kill en direct, sauf qu'il faisait noir.
Du coup, j'ai juste vu le corps tomber. J'ai pas mis l'électricité, okay. J'ai voulu attends, voir là, si attends. J'étais aux alentours. Okay, alors, mais du coup, tu l'as vu. Attends, tu l'as vu en direct, mais tu la reportes après. Sur ce kill, je peux innocenter Chobraï et Michou. Non. Ouais, pareil. Chobraï, Michou et Verti. Verti aussi, je pense, parce que je viens d'arriver, il est admin. Attends, si, attends, Chobraï, Michou. Verti. Pas plus, il est safe. Là-bas. Verti, il est safe. Mais il reste plus que Nikov et Caisson, quoi. Bah ouais. Il reste plus que Nikov et Caisson. Tiens, tiens, tiens. Caisson. Non, bizarre, tout ça. Le kill, tu l'as vu au moment où c'était éteint ou t'as vu le genre, moment où c'était éteint, en fait, j'ai l'électricité pour mettre la lumière. Est-ce que t'as vu que ça a été tué à ce moment-là ou t'as juste vu le cadavre et quand c'était éteint? En fait, en gros, j'ai avancé pour aller mettre l'électricité et j'ai vu le cadavre tomber devant moi. Parce que Val, t'étais avec Nikov et Katsup juste avant. Valouz, le corps, tu... Le corps, tu l'as pas vu puisque l'électricité n'a pas été remis. Si, l'électricité a été remis. Et justement, bah, ouais. Et justement ça m'a étonné, personne n'a reporté. Alors t'es que t'es obligé de passer devant. T'es sûr qu'il a été remis l'électricité? Bah oui. Parce que moi j'ai vraiment l'impression que c'est pas le jeu de se remettre. Question, toi tu doutes? Je sais pas. Il va retourner à la situation. Pas plus, on est d'accord, on est à deux. L'électricité, mais les gars, de toute façon, vous êtes tous innocents. Non, moi je crois Valouz. Gros, j'ai juste un truc à dire parce que en fait, moi je t'ai vu quand t'as fait ta poubelle là, t'as genre simulé, je pense. T'as simulé la poubelle, t'es remonté, t'as tué 4 subs. J'en suis sûr. Mais oui, frère. Mais je venais pas de là, gros. Je venais qu'il y avait les lights. Si, tu venais d'oxygène, gros, je t'ai vu. Pas du tout, mais non, mais je venais pas de là du tout. Mais frère, t'es un menteur! Mais Valouz, j'ai une question! Sur le coup, même mais, en plus, Valouz! Il est dehors devant l'électricité! Bah alors, t'es remonté! Mais Valouz, pourquoi t'as pris du temps à reporter? T'es remonté de l'oxygène vers le corps! Les gars, si je meurs, en bas à gauche! Attention! Allez, comme par hasard, deux votes pour moi! Tiens, bien posteur! Tiens! Mais Valouz, j'ai une question! Bizarre! Pourquoi t'as reporté plus tard? Pourquoi t'as. Parce que j'ai essayé de voir s'il y avait quelqu'un. Ah. Non mais ouais, Val. Okay. Val, je suis sûr de moi. T'es arrivé d'oxygène, t'es remonté, gros. Ok. Putain, je sais plus jouer, moi, frérot. J'essaye d'enquêter, je comprends rien. C'est ça. Petit Prout, toi, je peux te faire confiance ou pas? Moi, bien sûr, toujours. Ouais. Toi, toujours, t'es bizarre, ouais. Ouais. Arrête, t'approches pas de moi. C'est lui. T'approches pas de moi. C'est quoi ton secret? De toute façon, je suis devant les caméras. C'est quoi ton secret? Les caméras, elles sont éteintes. Ouais, non, elles sont allumées. Eh, vraiment, tu me casses avec ton skin. Ouais, on est d'accord, il a un skin, il est moche. Il est après, je vais pas parler, moi j'ai rien. Je suis juste un bonhomme tout rose. Moi je suis un dragibus, les gars. Je suis une fraise tagada. Putain, j'ai des missions, moi. Oh, ils sont où les gens là? Oh, attends, c'était qui? Aux enfants. Pas en plus, tu sors d'où? Mais toi, t'es bizarre. C'est toi, t'es bizarre à détourner mes mots là. C'est toi, t'es bizarre. Mais attends, mais j'entends des échos chelous de ouf. J'ai même plus de quête parce que j'ai tout fini. Je suis un crewmate. Oh le menteur. Incroyable. Oh petit moutin, c'est impossible, frère. Salut. J'ai tout fini, frère. J'ai trahi mes quêtes. C'est impossible que t'aies tout fini, frère. Bah si, c'est possible. Dropshit, insert kit. Vous avez tout fini. Laboratory fix, wearing. Fini. Mais frère, il y a masquette. Il y a que toi. Ah, mais non, en vrai, j'avoue, en vrai, j'en ai plus que deux. Bah voilà. J'avoue, j'en ai plus que deux. Ok, les astéroïdes. Allez, je me barre. Oh. Ça ressort d'où là? Ah oui, il y a du monde. Elle est là. Quoi? Mais le V, t'es bien discret, toi. Ah ok. Ouais. Ah mais je t'entends pas fort en fait. C'est j'avais peur que tu sois un métamorphe. Mon son il est bizarre de ouf. Ah je sais pas quoi. Non Melvé t'es bizarre, Melvé je te jure t'es bizarre. Bizarre l'ambiance. Eh hey, mais arrêtez, ils font flipper eux. Il est où Valouz? J'en ai aucune idée. À l'aide, Michou. Pimpus, il est vraiment bizarre. Mais il est vraiment bizarre, Michou, au secours. Oh non. Mais les gars, moi j'ai. Ouais.
Mais hey, j'avoue qu'en plus on l'entend pas parler. Mais les gars, mais j'ai un secret pour vous, venez. J'ai un suspect, c'est Melvé. Ah, voilà, c'est bon. C'est bon. Ah voilà, c'est bon. Oh. Eh bah tiens. Je sais pas. Qui c'est qui est mort? Bizarre. Oulala. Verti. Double kill. Oh. Ah mais non, ouais, il y a Melvé qui est mort. Verti est avec moi. Oh, Verti, Melvé, j'étais sûr qu'il était imposteur. Ok, bon Melvé, je vais écouter du coup ce que t'as dit, je te crois. Attends. Putain, du coup, c'est moi qui reporte, mais vous êtes où exactement là? Chacun là. Je viens d'arriver comme au niveau des coms. Au niveau des coms avec Michou et qui? Et caisson. Ouais, je suis là, ouais. Il y avait pas Tempus ? Deuxième cadavre. Mais attends, mais il y a un autre cadavre, frère. Le cadavre, il est où là, Nikov ? Bah moi, je suis là, le truc là où tu scannes là au milieu, là, admin, je sais pas quoi. J'ai fait laboratoire. Par la droite et je suis remonté et genre j'ai scanné pour voir ce que c'était. J'ai même pas fait gaffe. Mais t'es pas laboratoire, Nikov. Mec, c'est incompréhensible l'expression Nikov. En gros, je vous explique mon chemin. Genre, tu sais, au début, on était tous en haut. J'ai même eu un son porno au milieu tout en haut. Oula! Bizarre. J'ai fait tout le tour et je suis allé à la salle verte au milieu de la map. J'ai regardé, mais j'ai pas fait attention trop au truc. Et je suis remonté. C'est quoi la salle verte, gros? Mais non, mais pas la table verte là, admin. Admin, ok, ouais, t'es admin, ok. Admin. Et genre, je remonte admin et genre, dans le petit couloir, il y avait un cadavre vert. Et j'y reporte. Ah, donc t'es au milieu là. Ok, ouais. Mais du coup, je crois Nikov parce que c'est moi. Il était avec moi quand il y a eu le son pornup, donc je crois Nikov. Et je l'ai vu partir de laboratoire pour aller vers spécimen. Les gars, Nikov, sur ce point-là, je le crois. J'étais avec Verti. Mais attends, on était du monde. Le truc. Attends, laisse-moi finir, Timout. Le truc, c'est que les kills sont récents. Les kills sont récents, voilà. Ok, on a compris. Okay. Moi, j'étais. Ouais. Eh, les gars, de toute façon, stratégiquement, il faut tuer personne, on est 7. Voilà, écoutez-moi. La voix de la sagesse. Mais franchement, Michou, il a raison. De toute façon, il y a 10 secondes. Tu vois parler. Mais en vrai, je reste pas. Par contre, Pampus, essaye pas de t'innocenter en épote. Je sais que t'étais dans l'eau. Il a innocenté Pampus de fou furieux, il a fait le scan avec apparemment. Qui? Alors que moi, je. Melvé. Ah ouais? Mais ouais, il m'a dit ça. Donc, soit Melvé, il a niqué la partie, ou soit il dit la vérité. Il dit la vérité, va, le Melvé, on l'a fait à deux, le scanner. Et est-ce que quelqu'un vous a rejoint au scanner? Et tu sais que moi, Melvé, j'étais persuadé qu'il était imposteur, il était trop chelou. Il est en train de boire dans notre cerveau, ça m'énerve. C'est Valouz. Qui a dit ça? C'est cool, c'est Valouz. En vrai, Valouz, il est trop fort à ce jeu. Eh, Valouz, il est trop fort à ce jeu. Il est en train de. Valouz! Je sais ce qu'il fait. Valouz, j'ai compris. Eh, vous deux là, j'ai compris votre petit jeu. Eh, hey, question, fais attention, j'ai compris votre petit jeu. C'était à deux et avec Katsup, elle l'a vu. Valouz, t'es en train d'innocenter Pampus sur le dos d'un mort pour pas qu'on le défende et comme ça vous êtes tous les deux potes. Oh les bâtards. Ah les bâtards, on est dans la merde. Je suis enfermé. Tu veux toi aussi t'entends des mecs dans ta tête? Ouais, j'entends, mais il faut pas le dire. Ah, on est enfermé. Tiens. Ouais, je commence à appuyer. Putain, les lights. Putain, il va mettre balle derrière. Des meurtres, hein. Ah, y'a trop de monde, on va mourir. Arrêtez. Je suis en dehors, sachez-le, je suis un peu en retrait. Eh, les gars, là, c'est sûr, y'a un mort. Il est où, Timout? J'ai Timout depuis tout à l'heure et Timout a pas de quête, wesh. Il fait zéro quête. Go Vitals. Mais Timout a skip, il a fini. Attends, je rigole, Timout. Non, mais les gars, moi je vois Vitals. Aïe! Ah, je suis mort. Mais je pense Timout tue quelqu'un. Pourquoi tu veux tuer quelqu'un? Je vais vous tuer tous. Valouz, tu vas pas me la faire, Valouz. Valouz, arrête. Tu vas pas me la faire. Mais, wesh, ils ont dit. Mais ils sont où les autres?
Non, pas vous deux, arrête. Arrête, hé, vous deux, chez vous, arrêtez, 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 arrêtez. C'est rude de tuer quelqu'un, vraiment. Quoi? Les gars. Oh, j'aurais rigolé si y avait un. Hé, les gars, vous savez que je dis à Nikov, hé, viens avec moi, je dois te parler. Il me suit. Putain. Et juste après, il me fait, mec, tu sais que je connais un endroit de ouf. Et. Je t'entends plus. Mais j'avoue, ça a coupé. J'ai rien compris à son explication. Ouais, bah, c'est Nikov. Frère, Timoud il m'a dit quoi? Il m'a dit vas-y viens suis moi, je lui ai dit bah vas-y. Et après il est parti. Non, oh menteur. Mais attends mais là Tu m'as dit mais hey, tu as pas fait sa quête là. Et son plein puce sont plus là hein. T'as dit je connais un endroit de ouf alors que t'as jamais joué au jeu. Valouz, t'es content que plein puce il a tué quelqu'un? C'est dommage, on est deux. On est deux, tu pourras pas nous tuer. Il a tué qui plein? Bah j'en sais rien mais c'est non, mais sûr. Mais tu fais fausse route hein, c'est vraiment pas moi hein. Mais tu es Katsup. Attends, il est où Katsup? Mais wesh. Ah. Mais elle est où Katsup? Je l'entends rigoler, je suis mort. Bon, c'est pas tout mais il faudrait peut-être enquêter hein. Mais wesh frère. Attends, mais je comprends. Mais pourquoi tu rigoles toi? Mais hé, vous êtes vraiment chelou vous. T'inquiète Michou, on est ensemble. Non arrête, on n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. Il a dit quoi? Il a dit c'est pimp? C'est la position des joueurs. Mais tu vois pas leur pseudo. Michou, c'est Michou? C'est Michou ou pas? Dites-moi c'est Michou. S'il vous plaît. Ouais, dis-moi c'est Michou. Timoud vient de tuer. Non, c'est Timoud. Timoud, il vient de tuer sous nos yeux. Merci, Michou. C'est bon, j'ai les deux. Les gars, j'ai les deux. C'est Michou et Nikov. C'est Michou mais et Nikov. Mais frère, tu vas pas nous la faire. Allez, tu vas pas nous la faire. Attendez, arrêtez de parler. Quels sont pimpus, s'il vous plaît, écoutez-moi. Votez au moins Michou. Votez au moins Michou. Votez Michou. Votez juste Michou. Mais les gars, c'est Timoud. Moi, j'ai voté. Mais les gars, ouais. Les gars, j'ai les deux. J'ai cramé les deux, c'est bon. J'ai vu le tuer devant mes yeux et il y a Nikov qui vient d'arriver. Écoutez-moi, je sais pas. Les gars, écoutez-moi. Il y a Valouz, Michou. Mais jamais de la vie. Moi, j'explique des trucs à Nikov. Michou va avec Valouz dans le sas, il le kill. Je reporte. Je pense qu'il y a tentative de double kill, mais comme Nikov est nouveau joueur, ben ouais, il a fail. C'est voilà. sûr et certain. Voilà. Bah, éliminez-moi. Michou, t'as quelque chose à dire. Moi, j'ai quelque chose à dire. Je sais ce que j'ai vu sous mes yeux, ce crime. Mais regarde, c'est insoutenable. T'as rien vu, putain. C'est insoutenable. Il a sorti un tâche. Putain. Il a inventé un sort. Les imposteurs sont bien contents, je suis mort. Ah, ça sert plus à rien jouer le jeu, je suis mort. Mich, Ouais. Tu sais pourquoi ça a pas marché? Pourquoi? En fait, Katsup, c'est Ange Gardien. Oh, du coup, j'ai protect Timoth et du coup, ça l'a pas slash. Oh là. Du coup, Nikov, il doit même pas comprendre parce qu'il connaît pas. Ah ouais, donc Nikov, il doit se dire, je l'ai tué pourtant et ouais. Tout. Putain, bande de gamins, c'était toi, wesh. Eh, hey, avoue, j'ai trop bien joué. Ouais, t'as bien joué, en vrai de vrai. Putain, Katsup, elle a fait le move de la game. Ah ouais. Ah non, mais je te jure, là, j'ai sauté de joie, c'était incroyable. Oh, j'ai trop le seum. En plus, je l'entendais dans mes oreilles, Katsup, elle parlait, là. Ah ouais. Tiens. T'es trop nul. Bien joué. Oh Nikov il a... Ah oh, voilà, je voulais buzzer. Je voulais buzzer, j'ai quelque chose merde, à dire. Nikov il a... Il y a eu une sorte... Ah ok. Nikov t'as fait le plus mal. Mais c'est bon. Mais attends, mais il s'est passé un truc de ouf. Il a fait le pire. En fait, Nikov, pour t'expliquer, le premier qui meurt, eh ben il est ange gardien. Du coup, il peut protéger pendant les manches. Voilà. Putain, j'avais oublié ce rôle. J'ai expliqué tous les rôles sauf ce rôle. J'avais oublié ce rôle. C'est vraiment à quelques secondes, genre. Faut vraiment sentir le truc. Et pour le coup, elle a jamais. Voilà. Non, mais c'est oui. Où elle a clôturé. Katsup, tu veux masterclass, hein? C'est Nikov, masterclass. Voilà. Ah, ok. GG Katsup. Katsup qui a clutch la game. Parce que les gars, sinon, on tuait Valouz, Timoud, on éteignait les lumières, on fermait toutes les portes, on attendait, on butait quelqu'un d'autre et c'était gagné. Et bah, j'ai niqué sa game.
Let's go! Je suis trop le seul. C'est quoi les voix dans ma tête là? Depuis le début, j'en ai trop marre. Nikov, en fait, les gens qui s'entendent, c'est les morts. Ah, mais Jours se modifient intégré dedans. Oh, c'est de la frappe ça. À un moment, j'ai croisé Melvé et genre, je lui disais, t'entends les trucs et tout? Et j'ai commencé à. Ah, le con! Il a commencé à me dire, comment ça et tout? J'ai dit, ah non, putain, ça bug. Mais Nikov, eh, c'est pour ça, Nikov, je t'ai dit, on n'est pas censé les entendre. Oui, non, mais en fait, j'ai vu, tu me l'as dit normal, je me suis dit oula. D'un coup, j'entendais 4-7, t'es là en mode 4-7 Oh non. Oh, c'est un zeb humain, je vous le dis. Je me rendais fou, et vraiment, j'entendais des voix depuis le début. Oh, le zeb humain, t'es trop. Mais Nikov, on est d'accord, t'avais tué Timoth normalement. Mais oui, mais ça, tu l'avais. J'avais un bouclier. Oh, fiche. Oh là, la goutte. J'ai trop le seum. Oh, je suis imposteur. Ouais, allez. À d'autres. Putain, imposteur, c'est pas pour moi. Par contre, crewmate, c'est bien, mais je pourrais au moins être scientifique, quoi. C'est quoi être imposteur, déjà? Bah, allez, là. Mais si tu veux, je te passe mon rôle. Vas-y, donne. Donne-moi. Timoth. Ok. Timoth. Parle bien du sacre éternel. Donne-moi tes pouvoirs. Donne-moi tes pouvoirs. Donne-moi tes... Quoi? Oh! Putain, je vois les Vitals! Je vois les Vitals! Les Vitals! Oh, attends, mais elle est trop dark ta voix, Val! Attends, mais les Vitals là! Mec, on dirait on est dans Ghostbusters! Valouz, reste comme ça toute la game, s'il te plaît! Pourquoi à chaque fois là, Valouz et Michou, vous faites des FAQ? Oh! Quoi? Non, bon sort! Miskin Katsu! Cher Katsu! Cher Katsu! Bien fait pour elle! Ouais, c'est trop chelou! Tiens! Attendez, par contre là, parce que là. Ah, du coup là, ça veut dire qu'elle est ange gardien! Il y avait Valouz, Michou, moi, Timoth! Timoth, il y avait qui d'autre? On était. Par contre, Nikov, t'es. Moi, je viens de sortir de storage. Nikov, t'es arrivé un peu après, donc. En fait, je revenais tout en haut. Impossible. Ok. Et en fait, en gros, quand je vous ai vu, moi j'étais à gauche au niveau des câbles et Katsup elle est morte dans la quête des câbles ou du download. Et voilà. Vous êtes les gars, attendez, c'est simple. Qui était avec moi, Valouz et tout là? Moi. Moi j'étais avec Pimpus à droite. On était quatre. Deep Root. Et moi. Il y avait moi, Valouz. Moi après vous pouvez mettre ma parole en doute parce que j'aurais pu tout au moins self report, tu vois. Moi j'étais solo. Melvé. Les gars, le kill il est en bas, c'est ça? Melvé, j'ai remarqué au Mexique que t'aimais bien parler et là tu parles pas beaucoup. Je suis en train de parler tout de suite là. Je suis avec Pimpus et Vertigo. J'étais avec Pimpus et Vertigo Labo et je suis parti du labo par la gauche et il y a l'alarme, du coup j'étais en train de monter au truc. Menteur. Menteur. Ou la menteuse. Moi, non. J'ai Pimpus, ma première. Moi, je pense qu'on n'a pas de preuve. On peut avoir des infos du coup. On a fait le télescope ensemble. Ben, moi, je te dis, le corps, je l'ai trouvé au niveau. Attends, mais ils ont le temps de faire toute une game, frérot. Je sais plus où c'est. Au niveau des cams, tu vois quoi? Il y a même une trappe. Ah ouais, ok. Frérot, je t'en prie. Le mec a vent en fait. Prendre des pouvoirs. Bah, le mec a qui vent, ouais. Le mec a vent ou le mec est dans la veine, c'est sûr. Vertigo, ça c'est du vertigo. Le mec doit être dans la veine. Non, c'est à droite avec Melvé. Vertigo. Melvé en plus. Ok, bah qui était solo? Moi je vous rendais. Mais attendez. Pourquoi il m'a pas tué? Moi je suis solo, mais je suis storage. Je ne comprends rien. Et là au montage, il faut. Tu mets mon cerveau qui bug. Tout le monde a voté là. Mais vous avez voté qui? Je vote les gars, juste Big Force à cast up. À cast up. À cast up. À cast up. Pardon, Big Force, ketchup. Big Force, ketchup. Let's go. Eh les gars, j'ai rien compris aux explications. C'est la première idée. Avant, je comprenais quand quelqu'un il disait ouais, il y a quelqu'un là-bas, il y a eu une vente et tout, je comprends plus rien. Eh, je t'avoue, t'es pas le seul, j'ai rien compris non plus. Pourtant, c'est toi qui parlais, hein. Mais juste ketchup, mais non, j'ai pas parlé moi. T'as dit Vertigo, il fait ça souvent. Ouais, Vertigo, juste event. Ok, Vertigo, je l'ai dans le viseur. Je pense que je vais tuer Vertigo comme ça. Merde, y a des gens. Ça dit quoi, caisson? Ça dit quoi, mec? J'ai l'impression que Michou, y a fake là. Quoi? Michou. Mais pourquoi tu dis ça? Je sais pas, j'ai l'impression que Miguel t'es en train de m'entourlouer. Mais arrête, frère, fais-moi confiance, je suis intelligent.
D'accord. Tu veux qu'on fasse des... Oh, si tu veux, j'ai le scan. Oh. Bah pareil, viens. Oh, viens. Bah viens. Si t'es un Doom, je vais le voir tout de suite. Ouais, mais peut-être que je peux te tuer. Attends, vas-y, fais. Non, t'es sérieux? Oh, il a raison. Ouais. Fais-moi. Get. Ouais, on est potes. Alors on est copains, okay, pour la vie. Ok, ok. Pour le premier kill, Nikov, c'est pas lui. Et je pense qu'il aurait pu le tuer parce qu'il est revenu au spawn. On a refait la quête en haut, à deux. Ok. Ok, si merde l'info. Et toi, je sais que je peux te faire confiance. Mais du coup, en vrai, c'est soit Melvé, soit Tibraï le premier kill. Hein. Pourquoi il est parti? Frérot, je suis en train de te parler. Je suis en train de te parler, viens, on parle ensemble, viens, on discute. C'est comme ça qu'on fait une discussion. Il s'est barré. J'étais en train de lui parler. Mais frérot. Mais c'est pas ça la vie. Kesso! Ok. Ok, bah. Vas-y, dis-le, tu veux pas parler avec moi, je pue de la bouche. Et ouais, Mich, on veut pas parler avec toi là. Toi, tu veux parler avec moi? Ouais, on peut parler, ouais. Mais toi, je sais pourquoi tu veux parler avec moi. Pourquoi? Parce que tu dois trouver des amis. Tiens. Tibraï. Pourquoi il rigole? Attends, non, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Les amis, j'ai une question. Ils vont me rendre fou. À Melvé, ouais. Et Pimpus, est-ce que premier round, ouais, vous étiez, ouais, avec Vertigo? Oui. Ouais. Et on l'entendait parler. Il peut y en avoir deux. Il peut y en avoir deux. Non, on l'entendait parler. Il parlait en fait. Okay. Pimpus et Verti étaient en train de parler. Chobra. Oui. Non, mais moi j'étais tout seul. J'ai des storage. Ouais, mais est-ce que t'as fait ta quête des astéroïdes? Non, j'ai pas fait de quête d'astéroïdes. Il est là, hein, mais je t'ai vu rentrer dedans. Je te pose une question. Mais quand Verti est parti à droite, je suis monté, gros. J'ai été rejoindre Michou. Fous de ma gueule ou quoi? Tu confirmes? Il est mort où? Valouz, il est mort où, Timout? Ah si, attends, j'ai vu Chobraï. Mais je suis remonté avec Michou. Astéroïde, Mich. Moi, je pense que Tibraï, là, je l'ai vu il y a 15 secondes, on commençait à parler, et je pense qu'il cherchait un pote. Pour dire, j'ai été toute ma game avec Timout. Avec Michou. Sur le premier kill, je pense que Tibraï... Sur le premier kill, ouais, c'est suspect, je suis solo. Je suis seul gazier solo, mais, ouais, mais là c'est encore pas suspect, moi. Frérot. Comment veux-tu qu'il y ait un kill alors que nous, on était tous ensemble? Moi, là, ce que je retiens, Tibraï... C'est une lucky, j'y peux. Ce que je retiens, là, Tibraï, c'est qu'il y a eu un kill astéroïde, et il y a eu, comme par hasard, les réacteurs qui sont tout en haut de la map, et t'es venu me voir et t'as commencé à me taper la discute. Et surtout qu'il y a un moment, avec Verti et Nikov, on était en train de se remettre. Ouais, voilà. Et comme par hasard, les coms, ils sont coupés, ils sont encore moi. Ouais, okay. Et comme par hasard, Tibraï, t'es arrivé d'en bas. Ah, Tibraï, je suis désolé, j'ai voté pour toi. Mais c'est qui, Tibraï? Non mais c'est un homme fort, c'est moi. Tu prends ton vote. Non parce que là, moi je veux bien, mais ça fait une heure, je vais chercher qui. Je comprends plus la game. C'est le bon. Non mais du coup c'est full unlucky, mais vous pouvez voter pour moi, en vrai je comprends. Moi ça me fait littéralement chier parce qu'on doute quand même. Et puis même première manche. Non non mais sincèrement c'est pas moi. Après vous pouvez voter sur moi, mais enfin je peux pas me défendre quoi. J'ai full unlucky. Premièrement, j'étais le seul qui était. Ah, il a eu beaucoup de votes quand même. C'est pas toi, t'as eu le lucky gros, deux timings. Ah, il a eu quand même beaucoup de votes. Bah oui, mais faut y avoir des gens quand même. Moi, je pense que qu'on a fait le bon choix, mais le fait qu'il y ait eu autant de votes, ça m'étonne. Bah ouais, il est sur la liste numéro 1, on est d'accord. Qui, attendez les gars, qui a voté? Moi, j'ai pas voté. Donc là, on est que 3. Il y en a 2 qui veulent pas se dévoiler. Mais question, il y a un moment, faut voter. Bah ouais, mais j'aime pas perdre. Oh! Wesh! Wesh! Bah attends, mais. Les gars, je suis. Hein? Wesh! Y'en a un des deux! Alerte rouge! Alerte rouge! Y'en a un des deux, les gars! Bah, il se passe quoi? Les gars! Je suis ingénieur! Moi aussi, je suis ingénieur! Non, je pense que Vertigo il ment! Non, je vais toujours changer. Non! Mais pourquoi on se met sur la vie de ma mère, c'est un mytho! Et je te jure, je suis ingénieur! Moi aussi, je suis ingénieur! Mais bon, les gars, il y a deux ingénieurs. Val, c'est quoi les règles du jeu? Mais c'est bon, on les sort les deux. Attends, Val, c'est quoi les règles Val, du jeu? Val, il y en a deux ou pas? Je sais plus. Est-ce qu'il peut y en avoir qu'un ingénieur? J'arriverai pas à vous dire s'il y en a un ou deux. Il peut en mettre deux. Il y en a deux. Non, je suis persuadé que Vertigo il bluffe. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi il ferait ça? 6, 7, on est 7. Le move est trop bizarre. Putain. Nico, il me chamboule.
Nico, moi, il est dubitatif. Mais attends, mais... Moi, je remarque que Melvé, tu parlais plus au Mexique. Je suis en train de parler encore une fois. Je m'en fous, je vois mon level, ouais. J'ai dit quoi qu'il arrive. On n'est pas attends. Sûr que Tivra y écrit en Melvé. Ouais, j'avoue. Non, j'avoue, là, Melvé, il a raison. C'est qui les deux qui sont allés dans la veine déjà? C'est Melvé et Pimpus? Non, c'est Vertigo et Pimpus. Vertigo et Pimpus. Vertigo et Pimpus. Et pourquoi on les éjecte pas les deux? Moi, c'est là qui sont. Mais parce qu'en gros, on est ingénieur et en gros, que Tivra soit vraiment imposteur. Non, mais il y a pas deux ingénieurs, c'est sûr. Puis même, en fait, pourquoi vous êtes, vous nous montrez que vous êtes ingénieur? Alors, Nikov, c'est trop bizarre, non? Pourquoi tu veux absolument essayer de jarter quelqu'un et tout à l'heure t'essayais de défendre notre Chobray quand on parlait avec Valouz? Bah attends, mais frère, les deux kills. Attends, mais non, mais ça va être. Non, non, non. Non, moi je pense là, je pense que c'est juste une réflexion débutante. Pour moi, Nikov, il est ok, hein, vraiment. Ouais, Nikov, il est ok. En fait, moi ce que je trouve bizarre, c'est que t'essaies de retourner la situation maintenant. Non, non, pas du tout. T'as pris une veine sous nos yeux, quand même. Les gars, j'ai oublié. Ouais, parce que pas un plus la prise. Attendez, en général. On est toujours deux à se fight et il n'y a jamais l'un ou l'autre qui est imposteur. Si. Qui c'est qui parle pas? Melvé. Mais je parle depuis tout à l'heure, arrête un peu, ouais, je me shoot, t'es sérieux? Non, bah, il est plus solide. En plus, il parle pas beaucoup non plus. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah, normal, j'ai bah, pas pu en placer bah, une. Dans ces cas-là, c'est soit peintre. Ok, soit je vote Valouz. Moi, soit je vote Verti. Oh le mec, Attends, j'avoue, Je fais mes quêtes, ça me semble. Attends, mais c'était dangereux de ouf là! Et en vrai, mec, en vrai, j'aurais pu sauter, frère, sur ta connerie! Faut penser aux morts, wesh! Verti! Ah! À l'aide, il fait nuit! À l'aide! Faut que j'aille me mettre sous couverture! À l'aide, il fait nuit, j'ai froid! Ah! Moi, je pense. Que Vertigo il est imposteur. Ah, les deux. Oh ah. Wesh, les gars, là c'est trop. Non, mais là c'est trop. Melvé il buzz alors qu'il parle jamais. T'as un truc à dire? T'as pété un câble. Ben non, on va pas rester là-dessus, ça va pas ou quoi? Bah si, c'était très bien, frère. Ah ouais, lui il buzz fight, lui. Mais frère, déjà, on est bon sur Chobray. Mais attends, Melvé, j'ai une question. Pourquoi tu nous dis, dans un premier temps, on est 7, faut pas voter, et là tu buzz? Parce qu'il peut pas y avoir deux ingénieurs. Mais oui, et pour moi, on en sort un et on en sort l'autre et ça c'est forcément un des deux. Ouais, mais les gars, si c'est possible, j'ai déjà fait des parties avec deux ingénieurs et je sais pas c'est quoi les règles. Et je pense qu'il peut y avoir double kill. Si t'as pas changé les règles. Si on se trompe, il peut y avoir double kill. En gros, normalement, il y en a qu'un, mais une fois, j'en avais mis deux pour troll et je pense que j'ai pas changé. Ok, tu sais quoi, Verti, c'est quoi ton interface? Ça ressemble à quoi? Non, mais gros, tu veux qu'il fasse un partage d'écran aussi? Non, bah non. Non, mais je sais pas en fait, c'est ça qui est chiant, c'est que comme on sait pas. Non, mais les gars, sortez Pimpus, c'est tout. Bah, tu non, c'est Vertigo, frère. Mais t'es un bâtard, toi. C'est Vertigo. T'es un royal enculé, Valouz. Vertigo, il a voté Pimpus, il en a profité. Non, je te jure que j'ai skippé. Alors, qui en a profité? Parce que Pimpus, pour moi, il est. Oh merde! Oh j'aurais dû. Eh, vous êtes des chiens, la vie de ma mère, vous êtes des chiens. Eh, par contre, si on gagne. Ouais, si on gagne, ça crapant, mon rêve c'est que là on gagne. Mais bon du coup, faut Tej Verti. Tej Verti. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, il va mettre l'alarme dans 3 secondes. Leur move il est trop bizarre. Oh je le savais. Oh je reste là. Je me sacrifie pour la patrie. Caisson, on est deux, on sait qu'on peut se faire confiance. Viens Caisson. Caisson, on sait qu'on peut se faire confiance. Si tu meurs, je le saurai pas. Caisson, mais pourquoi il est parti? Oh, je suis mort. Oh, t'as un bouton, c'est kill. Non, mais les pauvres. Mais c'est Vertigo. Oh, les gars, écoutez-moi. On est d'accord, vous avez tous vu le message, l'ange gardien a protégé quelqu'un. Ouais. Ok, je vous explique. J'étais au buzz, j'ai vu Vertigo passer sur moi. Donc, je pense que l'ange gardien a encore une fois clutch la game. Vertigo, tu dégages. Ah ouais. Ouais. Hey, 4 subs, je t'aime. Sur Michou, électricité, désolé Nico. Mais attends, pourquoi j'ai voté? Mais vous avez voté, vous êtes des ouf. Mais il a mangé mon cerveau, Michou, il a mangé mon cerveau. Mais il a mangé mon cerveau, Michou. Mais pourquoi il est avec nous, Verti? Mec, c'est pas Michou. Je suis électricité avec Valouz et Nikov. Mais t'es un menteur. Oh le.
Attendez, Valouz, mais oui, mais attends. Oh, tu vas me dire c'est un métamorphe. Qui est en train de voir mon cerveau? On s'est fait baiser par un métamorphe. On était 4, électricité, il y avait Kesson, Nikov, Valouz et moi. Ouais, et Michou, c'est Melvé. C'est Melvé, c'est Melvé. C'est Melvé, c'est Melvé. Mec, mec, les gars, j'attendais ça. Les gars, c'est Melvé parce que Michou, il a fait le scan avec moi. Non, mais les gars, c'est lui. C'est Melvé donc. Mais non, c'est Melvé. Et Michou, t'as même touché, Nikov, t'as même touché. Oh, c'est Melvé. T'as même touché le début de la game. Ah mais c'est pour ça il parlait pas le mec. Mais oui, c'était pas question au début de la. Mais oui, c'est pour ça Vertigo il parlait avec vous. Mais le mec qui est passé sur moi, il parlait pas. Moi je sais que Michou est innocent. Ah Melvé. C'est Melvé. Melvé, il va prendre la veste. Oh non, on est dans la merde. À l'aide. Oh putain, le frérot, il faut comprendre ce qui se passe, hein. C'est franchement les gars, je comprends si vous avez pas compris. Oh le bâtard. Viens voir, je te tue pas. A l'aide! A l'aide! Je vais mourir à un endroit où personne va me retrouver! A l'aide! Oh, oh le frère! Oh, il est il l'avait cramé, ils l'ont cramé! Il pouvait plus rien faire, il savait! Il savait, il pouvait plus rien faire! Vous squattez tous ensemble, la VRV Valouz, il fait que jacter toute la gamme avec tout le monde, wesh! Ils ont un groupe de personnes! Ouais, ça va, ouais! Bah, genre j'étais là pas quoi. Putain mais c'est vrai qu'il y a un métamorphe. C'est passé vrai, dans la game là, j'ai rien compris, vraiment. Mais c'est ouf qu'on voit que l'ange il sauve. Eh Katsup, t'es une génie. Attends Katsup, je t'entends pas. Attends, pardon. Katsup, t'es une génie. Eh je t'ai protect. Eh je le sentais à 10 km. Les games chat. Je le suivais. Bah ouais, c'était sûr. Katsup masterclass pour l'instant. Let's go. J'ai fait que des masterclass en étant mort. T'as essayé 3 fois, 3 fois. J'avoue Katsup a fait des masterclass en étant morte. Ça fait une heure. Ouais mais les gars, Katsup la pauvre, mais c'est elle qui a carry les deux games hein. Je te jure c'est vrai. Elle en a fait, clutch les gars, de c'est ouf. Pas Strat de tuer Katsup. Mais elle est trop forte en ange gardien, c'est trop. Bah on l'a retué en premier. Ah, en fait, ok, ça me va. Vous êtes des bâtards, plus jamais je joue avec vous là. J'ai toujours été une victime. Eh les gars, vous entendez bien tout le monde là ou pas? C'est infernal. Normalement c'est bon. Mais toi t'entends moins que les autres, j'ai l'impression, Michou. Bah faut que t'augmentes mon son alors. Faut l'augmenter sur le better cooling. C'est parti les gars. Wouhou. S'il te plaît, 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 putain. Ouais. Non mais oh gros, là je suis crewmate, mets moi au moins un rôle. Enfin je sais pas, il y a scientifique, ingénieur. Vas-y, moi je mets des places en groupe une. J'étais ingénieur premier game. Il y avait bien deux mécanos. Enfin deux gars. Je me déplace en groupe. Ah mais oui, donc il y avait bien deux ingénieurs. Moi aussi je me déplace uniquement. Ah ouais, il y a deux. Il parle un peu trop là, moi j'aime pas quand ça parle. Moi je suis pas là pour parler. Je suis là pour faire mes missions. On se retrouve dans une navette spatiale. Enfin, je sais pas où on est. On doit travailler. Enfin, voilà, on est là pour travailler avant tout. Je vois pas pourquoi ils parlent entre eux, ils tergiversent. Frérot. Pourquoi les lumières se sont éteintes et les portes se sont fermées, Valouz? Parce que je t'aime bien. Ah, tu. Oula. l'ambiance est bizarre. Ah bon? Oh. Ah! Allo? Allo? Oh! Quoi? Non, oh non, mais vous êtes des. Non! Quoi? Laissez-moi parler. Alors, les gars! Attends. Pardon. Qui est en groupe? Moi, je suis avec Michou. Je suis avec Valouz. Moi, je suis avec Nikov. Attends, il est où le kill? Les gars, faut savoir que c'est un double kill. C'est un double kill, les deux kills ils sont O2. Et ils ont été faits juste avant les. C'est Nikov! C'est Nikov et Petit Prout! Et Timou, t'es sûr? Nikov, j'ai vu un moment un mec orange passer à côté de moi. Je suis certain. Ouais, Nikov, c'est sûr. Mais t'es à l'O2, Nikov. Mais non, on est à Electricol. Par contre, Katsup. Attends, avec qui, Nikov? Je suis avec Timou, t'es à Electricol. À la porte, on est côté droit. Bah, comme par hasard, t'es avec Timou, Nikov. O2, c'est l'arbre, à l'arbre. Ouais, bah ouais, je l'ai vu, Nikov, à l'arbre. Les deux, ils sont à l'arbre. Moi, j'étais en train de faire les bouteilles d'O2 et j'ai vu Nikov passer. Non, tu sais quoi? Val, écoute. Ils étaient O2, ils ont pris la veine, ils sont arrivés en dessous électricole et ils sont remontés par la droite. Non mais par contre les gars, vous avez aucune pitié avec Katsup. Nikov ou pas au type. Mais hé, alors là je parle en tant que crewmate. Katsup est la première morte et j'en suis très content parce qu'elle va nous protéger. Ouais mais la pauvre quand même, il faut. Ouais j'avoue. Vas-y type de. Quelqu'un le scan. Hé, qui m'a voté? Mais je rêve là. Comment ça j'ai pris un vote?
Qui pourquoi on m'a voté? Quelqu'un le scan ou pas? Non, moi je l'ai pas. Non. Attends, là on buzz. Vas-y, je suis chaud moi. Vous voulez tenter Timo? Attendez, je vais voter. Ah bah je voulais aller buzz. On a eu la même idée Tibraï, on est connecté. Je sais qu'il y a une veine qui va. Bah attends, mais il y a juste un mec. Donc ils arrivent à porte de droite. Bon les gars, est-ce qu'on l'attente? Ouais, on l'attente. Masterclass. On l'attente, ils étaient à deux. Masterclass. De toute façon, ils parlent pas depuis tout à l'heure, Masterclass. Moi, je pense. Je pense que là, on fait une Masterclass. Première fois qu'on t'entend. Première fois qu'on t'entend. Mais quoi? Tiens. Oh, j'entends les fantômes. Nikoff, il m'a dit voter petit prout. Oh, trop d'art. Bah, comment ça, t'entends les fantômes? Bah, de toute façon, on a tous voté frérot. Mais Nikoff il a dit oh, il m'a balance. Mais non. Mais avec Tiprout c'est toujours la faute de son mate hein. Ouais, Tiprout, moi je suis parti de l'arbre et je vous ai vu aller tous les deux dans la salle. Mais oui, mais en fait il a fait un kill et moi je pouvais pas. Il a kill en premier et du coup je pouvais pas ne pas kill, tu vois, sinon c'était cramé. On sait que c'est toi Tiprout. Oh oh, allez mon gogol. Eh, qui met ça là? C'est qui là, lui, là, que je vais aller chez lui là? Niveau 16 est toujours autant éclaté. Mais c'est qui met les trucs comme ça? Comment ça niveau 16 est toujours autant éclaté? C'est niveau 16 aussi. Timout, attention hein. Allez, ciao. Eh, c'était trop rapide. On est trop nuls. C'était la game la plus rapide. Mais pas allez là, elle a kill beaucoup trop tôt. Non, c'est en fait, trop tôt. Et moi, vraiment, elle a fait personne ici. En plus, c'est Gaisson. Ça fait 3 mètres. Il dit ouais, pauvre 4 c'est Tipa. Relou, tuer les gens en premier. Putain, je me suis dit, vas-y, la partie elle a passé vite. Une chance d'être imposteur, pas du tout. Putain, vas-y là. Putain, mais je suis tout le temps imposteur ou quoi là? Nikoff imposteur. Let's go! Nikoff, dis je suis imposteur. Vas-y, Katel. Trop con. Va. Non, mais. Oui. Les gars, Nikoff vient de m'avouer qu'il était imposteur. Quoi? Non mais c'est Timout. J'ai dit à Nikoff, vas-y, dis je suis imposteur. Il a dit je suis imposteur. Timout, ça découle. Bah il a juste répété ce que t'as dit. Vas-y, viens. Oh le 1v1. Il y a un 1v1 là-haut. Hein. S'il y a un mort au spawn, c'est soit Nikoff soit Timout. D'accord, voilà. Au moins les gens sont au courant. Eh Tibraï. Quoi? Tu te fous de ma gueule? Bah non, pourquoi? Tibraï, je connais assez bien le jeu pour savoir que cette mission, il y a un premier truc à faire avant de la débloquer. Bah frérot, continue à jouer au jeu alors. Mais t'es un mytho, frère. Il faut faire le... Oh, le mytho. T'es un mytho. Non, wesh. Bizarre. C'est Tibraï, les gars, c'est Tibraï. Eh, Valouze. Valouze. Valouze, viens voir. Valouze, viens voir. Valouze, non, j'ai pas. Valouze, on est d'accord, la quête là où je suis. Ouais. Il y a un premier truc à faire avant de la débloquer. Donc les nodes, hein. Ouais. D'accord, ouais, les nodes. Voilà. Et bah, et c'est quoi le premier truc à faire? C'est pas un truc électrique? Si, non, c'est non, ça. Y a pas de truc électrique. Mais, si, c'est le truc électrique. Val et Michou, vous êtes complètement dans le faux. Alors moi, je vais vous dire un truc, j'ai le scan, tu jamais. Tibraï, t'es un menteur. C'est un labyrinthe. Tibraï, t'es un menteur, je connais le jeu, frère. Mais gros, j'ai fait le labyrinthe. J'ai fait le labyrinthe, gros. Attends, mais j'ai vu Nikoff, et par contre, je vois plus j'ai vu Timout, mais je vois plus Nikoff, là. Ok. Quoi? Eh la vie Tibraï LV vous fait trop peur. Je te jure, je suis fou. Eh les gars, restez pas avec Tibraï LV, allez. T'as déjà joué au jeu ou moi? Mais j'ai oublié moi. Mais en fait, en gros, j'ai annulé le scan parce que je voulais que tu le fasses aussi et que je regarde si tu l'as. Mais c'est pas. Personne veut de moi, let's go. Bon, j'ai mes trucs à faire à Astéroïde. Ok.
Voilà. Merci bien. Merci, au revoir. Merde, les portes elles sont fermées, mais putain. Ah, vous, les bolosses, ils sont enfermés, vous. Okay. C'est vous qui avez rallumé la lumière? Non. Oui, monsieur. Enfin, je suis arrivé, c'était déjà fini. Ouais, ça nous observe. Ah, ok. Pourquoi vous étiez enfermé alors? Les gars, Nikov, il est où? Mais c'est il est mort. Mais on est d'accord, Nikov, c'est chelou, frère. Innocenté. Oh. J'ai entendu innocenté. Il est mort, ce chien. J'ai entendu. Tibra, il a dit innocenté à quelqu'un. Ça nous aide pas. Il a dit ça à Melvé. Je sais pas en quoi ça nous aide, mais voilà. Ah, super info, quoi. Ah mais vous êtes tous là là. Eh, quelqu'un a vu Nikov? Oh. Non mais c'est sûr, il est mort. Ah mais Pimpus. Attends, mais j'étais avec Pimpus il y a pas longtemps. Bah il est dead. Oh, il était à Electrical. Electrical, il y avait Verti et Caisson. Ouais. Frère, non, il y avait Tibraï. Moi j'ai vu Tibraï et Melvé aussi à Electrical. Putain mais wesh. C'est Verti, c'est sûr, c'est Verti. Voilà. C'est Verti. Laissez-moi finir ma... Putain, c'est il est mort où? Il est mort à électricité. À storage. Verti. Attends, mais il est mort à électricité ou storage? Je crois que ça fait une heure il est mort. Hein. Attends, ouais. non, mais attendez, il est mort. Nikov, tu m'expliques, t'étais où toi? Mais Nikov, t'as passé la game dans une veine. Il était déjà mort. Non, j'étais avec Tiprout tout en bas à droite. Je suis remonté tout en haut. D'ailleurs, petit Prout, il m'a fait peur un peu parce que je lui ai demandé c'était quoi sa quête. Il a bégayé, du coup, je me suis sauvé. Et après, j'ai fait le labyrinthe, le petit truc là, la petite Tesla labyrinthe. J'ai galéré à la faire. Et Melvé, non, mais Nikov, c'est pas lui, les gars. Il a galéré à faire la carte. Attendez, j'étais à côté de lui, piste, c'est pas lui. J'ai une piste. Moi, je pense que c'est Vertigo. Pourquoi? Quand j'ai quitté Electrical, il était au CAM et il y a Pimpus qui, justement, rentré dans Electrical et je suis parti. Et je pense qu'il est mort. En fait, 4-4-4, le moment où Pimpus est mort, j'étais avec Verti. On était au Vito, justement. On était au Vito, c'est avec eux. Ah bon? Bah oui, ok. Ah bon? Bah j'ai mal capté alors. Tibraï et Melvé, quand je vous ai croisé, vous êtes allés où? On est parti au CAM et moi j'ai laissé Melvé au CAM et je suis descendu parce que... Et vu que vous étiez au CAM, vous avez pas vu quelqu'un rentrer en storage? Non. Moi je suis pas, j'ai pas cliqué sur les cams moi. J'ai juste été voir s'il y avait... Attends, laisse-moi finir Melvé. J'ai juste été voir s'il y avait quelqu'un au CAM ou deux morts parce que j'ai croisé Michou et je sais plus qui. Et du coup je suis redescendu. Bah Michou était avec Pimpus, non? Ouais, moi j'étais avec Pimpus, sauf que Pimpus, je l'ai lâché quand je suis allé en bas. En fait, sûr, et j'ai croisé Tibraï et Melvé. Tibraï, il est venu au CAM, il est reparti tout de suite. Moi, je suis resté au CAM et en gros, j'ai entendu Valouz avec je sais pas qui était en train de parler. En fait, vous êtes éloigné de la CAM, je vous ai plus entendu. Mais moi, je suis descendu en bas et je suis arrivé là où on s'est croisé avec tout le monde qui est sorti, le Val et tout. Moi j'étais avec Nikov en dessous de l'admin. Bah nous on l'a vu presque en direct donc avec Valouz. Donc ça peut pas être Caisson, ça peut pas être Verti, ça peut pas être Valouz, ça peut pas être Nikov, Timoud, ça déjà Valouz, Verti. Ça peut pas être Michou, c'est Melvé ou Brian. Mais vas-y, vous êtes fous. Putain. Ça peut être toi. J'ai voté au hasard. J'ai même pas voté moi. J'ai pas voté non plus. Mais Melvé est bizarre hein. En vrai, je pensais Melvé et Brian. Ouais, mais on entend tout. Je les ai pas vus hein. Melvé il était plutôt. Je les ai pas vus. Hein. Bah, comme de par hasard. Non, Melvé était. Attends, Melvé était calme, gros. Mais j'ai mes vitaux. Valouz ? Ah. Pourquoi Valouz il a dit on entend tout ? Pourquoi ? Eh, quelqu'un a vu Valouz ? Eh, Katsup, elle est chelou. Non, en fait. Je pense vraiment c'est genre non en fait je sais pas. En fait il y a Melvé ou Brian, je sais pas. Ok. T'as pas vu Valouz toi? Valouz elle était avec Melvé et Brian. Bon de toute façon ils sont tous à gauche. Je vais à gauche. Mais il est où Valouz? Caisson, t'as vu Valouz? Bah ouais, il vient de partir en bas.
putain. Ah, ah non, il est là, Valouze, ah, Valouze. Oui, oui. Tu parlais un moment, t'as dit. Putain, mais en fait, je voulais te voir pour te dire un truc, mais je sais plus. Tu voulais me dire quoi? Je t'ai entendu un moment après la conversation groupée, t'as parlé. Ouais. T'as dit, mais putain, mais on entend tout. Oui, oh, bah, t'entends les voix. Tu mais parlais non, avec son moi. Elle a dit, je pense que c'est Melvé et Chobray. J'ai fait, bah on entend tout, Kat. Comment ça? Bah, tu sais, dès que ça s'est fini, moi j'ai entendu Kat dire ça. Ah. Je pense que c'est Melvé et. Non. Est-ce, bah, que, oui, bah. Est-ce que mon excuse allait être béton, gros? Donc c'est une excuse. Hein? Mais putain, c'est une excuse. Eh, hey, Nikoff, il est vraiment du père. Let's go, les bouteilles. Putain, je me sens seul dans cette game. J'ai pas de pote. Retournons au cam un petit peu. Wesh, pourquoi mon mec il s'est arrêté là comme ça? Attends. Tiens. Oui, j'ai entendu dire. Bon, faut tout faire ici. 3. Ça va toi? Ouais, mais moi ça va. En fait, pour moi, ouais, c'est soit un duo Valouze-Verti. Si c'est pas ça, pour moi. Non, pour moi, c'est Tibray Melvé. C'est sûr, c'est Tibray ou Melvé. Ah. Bon, allez, moi je vais enquêter, j'en ai marre. Pourquoi tu me suis, toi? Parce que j'ai fini mes quêtes. Mais c'est bon, t'inquiète, regardez, mais Michou, si jamais Kat s'appelle. De quoi? Non mais parce que je voulais lui parler mais elle a peur de moi. Mais oui frère, à chaque fois je me fais... Tu en vrai j'avoue que Nikoff... Nikoff, je peux te donner un... En vrai Katsup avec Nikoff et Timout, elle va mourir. Elle va mourir Katsup avec Nikoff, Timout, c'est fini. Ok, y'a pas de mort. T'as vu un truc? Y'a pas de mort. Ils sont tous au labo. D'accord. Je vais check les cams. Je vais... La base. Ouais, je sais pas ce quoi ici. Mais moi, je vais vous dire. Et vous dilez du. Oh, il a fait. Tu l'as planté? Wesh. Oui. Dis-moi que les kills sont laboratoire. Dis-moi que les kills sont laboratoire, gros. Wesh. Oui. Attends. Non, ils sont où j'allais buzz, à l'entrée. Tu vois quand okay. On se barre pour... Michou, Michou, pourquoi t'es pas allé faire les lights? Vas-y, c'est bon, il a vent. Il a Michou, vent. Pourquoi t'as vent? Mais les gars, je suis en train de remonter dos 2. Pourquoi t'as vent? Michou, pourquoi t'es pas venu nous escorter surtout? Oh non, on va pas perdre sur double. Les gars, je suis en train de remonter dos 2. Hein. De haut 2? Frérot. Putain, attendez, les gars, y'a peut-être un métamorphe. Y'a peut-être un métamorphe. Ah. Qu'est-ce, c'était peut-être un métamorphe, il a pas parlé le Michou, on a dit. Il a moi vu. je suis allé Vitals et Admin, j'ai croisé j'ai croisé qui. Ouais, tu nous as croisé moi, tu m'as croisé moi. Et Tibray et après je suis allé en bas d'O2 pour aller aux caméras. OK, c'est pas lui alors. J'ai une théorie. Okay, ben, je suis pas morte parce que c'est Kesson l'imposteur. Non, Kesson est pas imposteur. Mais par contre Verti, tu parles pas mon ref. Bah j'ai dit moi j'étais au live, j'allais mettre les lights tout à droite depuis 1 heure. Mais à moi, droite. Merci, je mais parce que droite, hein. Je le trouve bizarre. Parce que là, vous avez vu quoi? Vous avez vu Michou tuer? Moi, genre. Non, mais question, je pense Michou nous brainfuck, gros. Tu crois? T'as dit quoi, Guess? Ouais, je sais pas pourquoi. En fait, je me dis qu'il a vent. En fait, il y a une vent à admin. Et moi, j'ai laissé passer admin. Et je sais pas où il est parti. Tu m'as entendu dire que je vais aux caméras, je l'ai dit même. Mais mec, je m'en souviens plus. Gros. Mais j'ai trop le seum, j'étais trop tout seul dans cette game. Donc là, il y a un double kill qu'on fait. Mais hey, en fait, putain, c'est ça. Mais c'était pas lui. Écoutez-moi, il y a forcément un mec. Il y a forcément un mec qu'on peut pas innocenter et c'est lui qui a tué du coup. Timout aussi. En fait, Timout, moi et Katsup, on était à droite depuis 1 heure. Ça fait 1 heure qu'on parle. Ouais. Et vous êtes pas lâché. Question, c'est Verti Michou. Qu'est-ce que c'est Verti Michou, gros? Bah frère, c'est Verti, mais c'est pas moi, gros.
Vas-y, c'est Verti Michou. C'est Nikov, Nikov. Attends, non mais Nikov, Nikov, vous êtes ensemble depuis tout à l'heure. Votez Verti, votez Verti, votez Verti, parle pas. Votez Verti, parle pas. Bah c'est Verti, c'est vite à mort. Vous êtes des moutons. On est 7. Moi c'est Michou. Moi avec Brian, je t'ai suivi, j'ai pas d'infos. Et GG, faites un double kill. Elle a pris tous les votes. Ah ouais, et Brian là, t'as un truc, elle est solide. Par hasard, tiens, tiens. Par contre, j'en ai appuyé alors qu'on était 7. C'est pas sympa pour lui. Quel bâtard. Ouais, mais là, c'était pas Brian. On était au Vittles au moment des double kills. Ok. No joke. Bon, c'est bien tout ça, mais faut rallumer la lumière, les gars. Allez, fais tout noir. Oh. Oh. On est obligé de voter Michou, je suis d'accord, Ketsup. Moi je pense que... Ouais, je suis d'accord vrai. Aussi. Parce que en fait on était 7 et si c'était pas Verti là, il faut un double kill, on a perdu. Ah ouais, du coup faut t'exclure Michou. Oh vas-y, j'ai trop Attends, le seum. C'est Brian qui parle là. Bah en ouais. vrai vous avez raison et mais vas-y bah ciao. Je suis dégoûté. C'est Brian depuis le début hein. Non. Mais non, ah, non depuis tout à l'heure je te dis que Nikov il est safe. Moi je suis safe hein. 8h. 4 subs, tu prends ton vote. Putain, par contre, Katsub, si tu nous as baisé, franchement, GG. Mais non, mais c'est impossible. Sur le double kill, c'est impossible, les Technikov. Ça me fout droit. Hein. Elle est Technikov, gros. Bah ouais. Let's go. Je pouvais pas me défendre. Ah, j'ai trop le seum. Putain, j'avais failli réussir à me défendre. J'avais failli réussir à me défendre.